LLPP. Bonsoir la petite pelle, comment vas-tu? Ce soir on va... Bonsoir ma débile, mais tout le monde est là en fait. À chaque fois tout le monde se cache derrière un petit buisson. Et en fait tout le monde est déjà là. Non, j'étais là avant mais je parlais pas. Ah mince, alors qui a gagné? Qui? Alors qui remporte le Prums dans ce cas-là? C'est compliqué hein. C'est très compliqué. Moi je sais pas quoi vous dire. Écoutez, battez-vous. Ce soir il y a de l'émulation. Pas tout de suite, donc ne partez pas. Mais il y aura de l'émulation en deuxième partie de stream, ou en troisième partie de stream. Voilà, oui, il y en aura. Je sais, Madéville, je sais ce que tu penses. Mais c'est pas si sale que ça, et puis j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix si je veux jouer au Moonwalker qui m'intéresse le mieux. Même si, voilà, on va quand même s'attarder sur la version de Mega Drive, principalement, ce soir. Et on va mettre un peu d'arcade dans tout ça, parce que l'arcade, c'est un peu le tabasco dans le jaune d'œuf de la découverte. C'est pour jouer à la borne. À la borne d'arcade, oui. Faut acheter la borne CM. La borne carte mémoire système 18 avec 4 jeux. Il y a combien de jeux déjà sur système 18? Il y a que dalle, en plus, sur système 18. Je crois qu'il y a un Shinobi. Voilà. Il y a Michael Jackson, évidemment. Sega System 18. J'ai envie d'essayer un truc d'hérétique. Ah! Ouais, ce thème, c'est Wild Arms. En gros, sur System 18, on a Michael Jackson, Moonwalker, on a Shadow Dancer, qui me semble est un Shinobi. Ah non. Oui, il est tiré de la série Shinobi, je suis pas sûr. Alien Storm, qui est pas très très bien. On a Desert Breaker, Laser Ghost, on a que des jeux pas très connus et pas ouf quoi. Et au final, bah, le système 18 c'est pas très loin d'une Mega Drive quoi. C'est pas très loin d'une Mega Drive. C'est loin d'une Mega Drive, mais c'est pas très loin du système 16 on va dire. En fait, la seule différence entre le système 16 et le système 18. Système 16B chipset, c'est le processeur graphique qui est un peu différent, un peu mieux, et c'est tout. Un petit peu de scrolling en plus, c'est ça, voilà. Dans la partie graphique, dans le YM7110, le VDP du coup, de Yamaha, et voilà, système 16B, système 16 bis, qu'ils ont appelé système 18 j'imagine, système 32 par contre c'est un monstre en 2D. Ah, système 32 ça n'a plus rien à voir effectivement, sprite scaling dans tous les sens, vive le sprite scaling, vive la 2D qui déchire. Vous aimez la moto dans FF7? Voilà la moto dans FF7! Putain, il y a tous les remixes qui passaient jamais qui passent tout d'un coup. Je suis content qu'ils passent enfin ceux-là. Piti 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 boum boum boum. Et la carte JAMA System 18, pour ceux qui veulent l'acheter, faut savoir qu'il y a une suicide batterie dessus. Voilà, donc il y a une petite opération à faire, et elle date de 89. Donc les jeux de 90 sont dessus, donc les jeux de l'époque arcade de la Mega Drive sont dessus, quoi. Salut Sam Nissan, comment vas-tu? Le passage du jeu où tu étais obligé de gagner presque. Alors, le passage du jeu où tu étais obligé de gagner quand c'était scénarisé, quand c'était la version où tu quittes Midgar. Par contre, la version où tu joues à la borne d'arcade, bordel, qu'est-ce que l'arcade était dur hein, dans Gold Saucer, le jeu de moto. Ça va chaudement. Bah là, ça va chaudement depuis que j'ai commencé le stream, puisque je dois fermer la fenêtre. Sinon, vous allez dire, oh là là, on entend les trains, c'est chiant, oh là là. Ça me gêne pas, mais vous, ça vous gêne. Parce que mon ampli, il capte tout ultra fort. Enfin, le Gold Saucer, c'est vrai. Ouais, le Gold Saucer, c'était chiatique. Il y avait deux mini-jeux qui étaient repris dans le Gold Saucer, il me semble, par rapport au jeu complet, c'était le jeu de snowboard qui était une purge ignoble. Le jeu de snowboard de FF7, c'est de la merde sur toute la ligne, à mon sens. Et dans Golden Saucer, il est pire. Le Gold Saucer, pardon, il est pire. Parce qu'il y a un panneau qui ressemble à Golden. Il y a un panneau, j'ai fait en Jap le jeu, et on est arrivé au Gold Saucer avec mon frère en japonais. Et quand on y est arrivé, on n'arrêtait pas de dire Golden Saucer, parce que c'était marqué Golden Saucer sur un des panneaux. Du coup, Gold Saucer, c'était la version traduite du jeu. Et du coup, voilà, la partie snowboard est pourrie, je trouve. La partie moto est pas ouf. La partie moto, elle est sympa, mais elle est vraiment beaucoup trop dure dans le Gold Saucer. Elle est beaucoup trop facile dans le jeu, comme tu dis, la petite pelle. J'ai tous mes colis qui sont partis d'Asie. Deux colis de Chine, un colis du Japon. Un colis que j'ai payé moins de 29 euros, ce qui est assez incroyable. Enfin, que j'ai payé 29...
J'ai moins de 30, pardon, moins de 30 euros. 29 euros. J'ai deux colis de Chine qui arrivent, ouais. De mon multi-peritel que je vous ai déjà montré, de AliExpress. Et une petite surprise pour le stream, une plaquette de néon, des néons à LED, en fait. Peut-être prendre ça pour brancher sur mon super gun. Ah non, il va pas faire ça. Mais j'ai même pas cliqué sur lui, hein, Madéville, déjà je te dis non, ne fais pas ça. C'est le colis mystère. Ouais, on va dire que c'est un colis mystère parce que je vais le découvrir avec vous. Il y a des chances. Il y a juste quelques achats que j'ai fait dans Pandora de mort. Même Sam Nissan te dit ça et pourtant il bouffe des céréales à tous les repas en ce moment. Moi, je veux pas dire, mais il y a des choses sur le Discord qui ont été dites et malheureusement c'est une plaie qui ne peut se refermer. C'est vrai que certains Pandora ça va. Ah. Il faut payer ça plus cher. Ah. Bien que si t'achètes le premier Neo Geo 162 in one, c'est de la merde, et si t'achètes un peu plus cher, c'est mieux. Et des bars café spéciaux gaming qui proposent de la Pandora. Aïe aïe aïe. Ça, ça craint par contre. C'est pas le machin café là. Coucou Divya. Ah bah justement, on a vu un petit morceau de jeu de train. J'ai pu regarder un peu les jeux PS2 que j'ai, bientôt évidemment, stream d'Encha Dego, mardi probablement, puisque mardi je reçois le colis mystère du Japon, et dedans on a l'accessoire indispensable à Encha Dego, qui va nous permettre de faire des vrais streams à l'heure d'Encha Dego. Et c'est assez bluffant, parce que j'ai un jeu sur PS2 qui n'est pas d'Encha Dego, mais qui était le fameux jeu japonais qui s'appelle Train Simulator, il me semble, et qui a des vidéos. Donc j'ai un jeu avec des vidéos de train, je savais même pas que je l'avais. J'ai regardé mes jeux PS2 que j'ai reçus du lot d'Encha Dego, et dans le lot d'Encha Dego, il y avait du Train Simulator. Il n'y avait pas que du Encha Dego. Et c'est plutôt cool. Mais, du coup, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Petite musique calme qui ne se lance pas, car c'est moi. Tout est ma faute. Toujours le CRT avec un Moonwalker dès... Salut ERX, comment vas-tu ? Avec un Moonwalker décalé, le Moonwalker du Mister FPGA. Versus le Moonwalker Real Hardware que vous voyez ici, car ici vous voyez ma Mega Drive 1, Mega Everdrive bien sûr, parce que j'ai pas Moonwalker, j'ai pas la chance d'avoir la vraie cartouche Moonwalker malheureusement. Moonraker. Et du coup vous voyez un petit peu ce que donne le cateau sur Moonwalker, vite fait malheureusement. Version arcade j'aime moins étrangement. Mais j'adore la version arcade moi. Vraiment, je suis très très fan de la version arcade. On va la faire vite fait à la fin du stream, je pense. J'ai quand même trouvé de quoi en parler du jeu. C'est assez ouf. Je sais pas ce que je peux vous montrer sans que ça... Je vais vous remontrer ce que j'ai commandé. Et je vais vous montrer les frais de port, parce que c'est très bas quand même. Mes frais de port bailli que j'ai eu sur ma commande japonaise, parce que vous êtes aussi là pour prendre de mes nouvelles, j'imagine. Vous n'êtes pas que là pour venir chercher le jeu et partir comme des voleurs. Ma blague était très bonne, et tu ne l'as pas lu. C'est terrible. Ah d'accord, une plaie qui ne peut pas se refermer. Une plaie qui ne peut pas se refermer. Faut changer le capot alors. Ah, je l'ai. T'as le mec, le forceur, mais le forceur 2000 dans le chat quand même. Quoi. Ma blague était très bonne et tu ne l'as pas lue. C'est terrible. Va la lire s'il te plaît. Sois un bon streamer et lis ma blague. Salut Suke. J'espère que ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est content d'être en week-end demain. Puisque, évidemment, je stream toujours en semaine. C'est toujours plus pratique pour moi. Watch out! Oui, Sam Nissan, ça y est, il s'est fait fesser. Donc, vous êtes ici témoin du produit qui a été envoyé aujourd'hui, dans la soirée. Donc, très récemment, là. Un commutateur automatique 6 entrées vers 3 sorties. C'est une nouvelle version améliorée qui permet de prendre notamment un truc que je voulais. Vous connaissez mon amour pour le composite. Cette version-là est compatible composite et pas seulement RGB. Vous pouvez voir ici, version améliorée 6 en 3 out. Non, c'est 6 en 2 out. Il y a marqué 3 out. Ah si, il y a 3 out, pardon. C'est vrai qu'il y a des out ici aussi. Il y a des synchro out ici. Et des vidéos out d'ailleurs. C'est cool, j'avais complètement zappé, tiens. Marrant. Et donc c'est compatible avec un adaptateur composite. Le vendeur, je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que c'est compatible avec des sorties S-Video, il sait pas, on verra, on va tester ça. Oui, je me rappelle de ce truc, Arinotaku, tu bavais dessus l'autre fois. Bah ça y est, je l'ai acheté, parce que tu vois, avec vos subs, 67,80€, c'est que dalle. Seulement, c'était vrai.
Et un custom neon sign, vous savez, les grands, les trucs d'AliExpress classiques, ça m'a coûté 100 balles. Bon, on verra ce que ça donne. Sur les images, c'est joli, en vrai, je sais pas ce que ça va donner. C'est un logo Arin Otaku, voilà, que je veux mettre juste là, derrière moi. Sur le mur de derrière, pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, je me dis que je fais des streams assez souvent, maintenant j'arrive à streamer, autant que ça soit joli. C'est Reebok, le slogan du siècle. C'est Gélatière. C'est Reebok. Real box. En bleu comme Sonic, en bleu électrique, ouais. Ça me dit ça, exactement. Ça, c'est la deuxième version. J'ai la première version sans capot plexi, ça tient bien la route. Mais tente pas de brancher tout, vaut mieux brancher qu'une machine à la fois. Bah, une machine à la fois, ça me ferait un peu chier, j'avoue. Déjà, je pourrais brancher mon CDI en direct dessus, puisque c'est composite et ça, c'est cool. Je pourrais brancher le CDI, déjà, ça, c'est cool. Et je pourrais brancher... Je sais pas si je branche le Mister... De toute façon, il faudra que je branche le Mister dessus. Et que le Mister... et qu'après, le signal du Mister passe dans la télé. Puisque il y aura toujours une sortie télé, une sortie vers le GBSC. Donc normalement, tout passera par ça. On verra. En tout cas, c'est le meilleur... Le truc le mieux qui me paraît le mieux. Quoi. Si tu commences à avoir des problèmes de synchro, il faudra débrancher certains trucs. Ça serait un peu chiant quand même que la synchro se mélange quand même. Et ici, on a... Alors, regardez pas les adresses s'il y en a. Faites attention, quand même, s'il vous plaît. Soyez honnête. Je crois pas qu'il y a l'adresse, de toute façon, qui s'affiche. Il faut cliquer sur shipping machin pour voir l'adresse. Ici, on a donc ma dernière commande. Attendez. Qu'est-ce qui affiche l'adresse? Je ne me souviens plus. Ouais, d'accord, c'est ça. C'est pas le... C'est bon, c'est l'autre. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai ici Monkey Island, la collection Clock Tower 1, 2, 3 et Ghost Head, les 4 Clock Tower que je voulais absolument et que j'avais que le 3 en pâle, j'en avais aucun autre, et la fameuse montre à gousset d'Enchadego, que vous découvrirez mardi, parce qu'apparemment le colis est parti et FedEx a dit c'est pour mardi. Ça m'a coûté que 29,15€ de frais de livraison, c'est pas les douanes, hein, c'est les frais de livraison. Mais en frais de livraison, je trouve ça très honnête pour 5 boîtes de jeux vidéo et une petite boîte en carton. Je trouve ça plutôt stylé. Ça va faire, je pense, un peu moins d'un kilo. Tout ça. Salut Philippos ! Cool, de la Mega Drive avec Moonwalker. De la Mega Drive, ouais. Et peut-être, alors je vais vous spoiler un peu, mais bon, je vais vous montrer parce que ça a été compliqué à mettre en place et j'espère que ça va bien marcher, mais... Avec la musique de Zelda qui est parfaitement raccord, du coup. Voilà. Ça, c'est Moonwalker Mega Drive. Et Moonwalker Arcade. Donc voilà, quand on aura fini Moonwalker... Quand on en aura marre, surtout, d'avoir joué à Moonwalker Mega Drive, on jouera à la version arcade que j'ai réussi à faire fonctionner. Je vous l'ai dit, j'ai réussi à récupérer des médias intéressants sur Moonwalker, des vieux magazines. Il n'y a pas que la version Mega Drive dedans. Qu'est-ce que tu dis, du coup? Alors, qu'est-ce que j'ai loupé aujourd'hui? Une souris Mega Drive en boîte à 45 balles. Oh, une souris Mega Drive en boîte à 45 balles. C'est moins cher que moi, mais d'accord, moi c'est 60 balles. Je l'avais payé, je crois. Peuvent se toucher. C'est pas cher, peuvent se toucher. À 20 balles max, ouais. Ah, mais 20 balles, t'en trouveras pas. Hein. Ah, surtout une souris Mega Drive à 20 balles en boîte, GG. Hein. La souris NEC, par contre, elle est pas chère. La souris NEC coûte vraiment rien. J'en ai trouvé une à 14 euros. Une souris NEC en loose. Mais j'aimerais bien la voir quand même. Zero Bid, elle est pas partie, j'attends qu'elle revienne. Ouais, mais elle reviendra jamais à 20 en fait. Moi j'y crois pas trop. Surtout que maintenant que tu viens de me le dire sur mon stream, je pense qu'il y a peu de chances que les gens laissent passer. Je me rappelle encore la souris Saturne en boîte à 5 balles que j'ai loupée. Ouais, mais la souris Saturne, je trouve que c'est beaucoup plus commun qu'une souris Mega Drive. En plus, je recherche pas mal les souris, hein, réellement. Il faudrait que j'ai une souris. Il faudrait que je vois la souris japonaise PlayStation, combien elle coûte. Peut-être qu'elle coûte 0. Elle coûte que dalle. Enfin, je vois. Mais une souris PlayStation, ça pourrait m'aider, ouais. Enfin, ça pourrait m'aider psychologiquement à acheter des trucs. Hein. Après, j'ai pas un besoin incroyable de tout ça. Donc ce soir, on va regarder Moonwalker. Donc on est sur Sega Retro, puisque c'est un jeu sorti en arcade chez Sega en exclusivité, et sur Mega Drive en exclusivité aussi, donc, et sur Master System en exclusivité aussi. Il y a eu des portages de la version Master System et Mega Drive sur des vieux ordinateurs. C'est du caca, vraiment. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Vous allez voir qu'il y a des tests, notamment joystick, à tester les versions ordinateurs. Jap PS1, c'est pas cher, d'accord. Bah écoute, Sam Nissan, tu sais quel cadeau me faire. Je fais ça.
Je plaisante. Michael Jackson Moonwalker, donc pour Sega System 18. Il faut voir Moonwalker sur la version arcade. On peut voir la page de Moonwalker version arcade. Game concept and design by Michael Jacksons, effectivement. Et bah, on verra ça tout à l'heure quand on aura commencé la découverte de la version arcade. Michael Jackson Moonwalker, donc Michael Jackson Moonwalker, c'est un jeu Sega Mega Drive d'action plateforme développé par Sega CS. Alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est en interne, Sega CS, je les connais pas. Cette souris marche-t-elle sur Amiga? C'est la question qui brûle les lèvres, c'est la question que tout le monde se pose. Sega CS R&D et Sega Consumer, ou Sega Consumer Research and Development, c'est une division de Sega Entreprise qui est en fait la continuité de Sega R&D 2. Et c'est ceux qui ont fait Sonic notamment. Attends, non. Alors c'est Sonic qui... Ils ont fait quoi d'autre, Sega machin? Softographie, waouh, c'est classe. Ils ont fait Quackshot notamment. Ils ont fait Golden Axe sur Game Gear. Ils ont fait quasiment que des jeux console de ce que je vois. Ils ont fait Panzer Dragoon. Ah ouais? What the fuck? Ils ont fait Michael Jackson Moonwalker. Ils ont fait quasiment tous les portages Mega Drive, j'imagine, de l'arcade. Hein. Street of Rage. Ouais. Sauf que c'est pas un studio de développement à la base, hein. C'est un studio de portage. Du coup, c'est eux qui ont fait ça, j'imagine. En écoutant ce que voulait Michael Jackson, parce que c'est un jeu qui est vachement développé par Michael Jackson, il me semble, en tout cas l'arcade c'est sûr, mais bon. Basé donc sur le film du même nom, c'est Michael Jackson's Moonwalker, le film de 1988, et qui met en scène évidemment la plus grande pop star de l'histoire du monde, en fait, Michael Jackson. Il est d'abord sorti en août 90 comme étant un des premiers grands noms de la machine, des grands titres de la machine. Et plus tard, il a reçu une conversion Master System plutôt fidèle, en réalité, à la Mega Drive l'année suivante, développée par Arc, une autre boîte qui fait des trucs comme ça, des portages. Un petit peu comme les gens qui ont fait Soleil, c'était une boîte de portage aussi, normalement. Enfin, c'est une boîte qui a fini par faire quasiment que du portage. Comment il s'appelait déjà, je ne sais plus. Michael, déçu par le son de la Mega Drive, je suis inconsolable. Oui, mais est-ce que c'est vrai, ça? Parce que qu'il ait participé à Sonic 3, apparemment, ça a été prouvé qu'il y avait participé. Est-ce qu'il est vraiment parti pour ça? Je sais pas. Ça semble vrai? Ah ouais? Tu penses vraiment que ça s'est pas fait sur Sonic 3 à cause de ça? Enfin, tout le monde pense ça, et apparemment, c'est vrai. Ça paraît vraiment dingue. En plus, c'est une histoire de pognon. Ah, c'est plus une histoire de controverse, aussi. À cause de son procès... dont il a été blanchi, d'ailleurs. Moonwalker, donc, avec ses... avec sa version arcade du même nom, est notable pour être un des tout premiers jeux à utiliser la célébrité. De Michael Jackson, et a commencé donc la grande collaboration entre Michael Jackson et Sega. Collaboration qui donnera lieu déjà à mon fameux son Watch Out, qui est tiré de la borne AS1. Watch out! Ce cri est bien le cri de Michael Jackson, et il est tiré de la borne d'arcade AS1. Michael Jackson's, je sais plus le nom, mais je crois que je l'ai ici le nom de la vidéo. Parce que je garde tout sur mon PC, parce que j'ai beaucoup trop de place sur mon PC. Help. Send help. Michael Jackson in Scramble Training, voilà, Sega AS1 en 1993. Il a fait ça, ça se trouve sur internet. In Scramble Training, Scramble comme les œufs, Scramble Eggs. Très intéressant, encore une fois, comme truc. Et ça vous permet notamment de voir Michael Jackson qui collabore avec Sega de cette manière, et la collaboration avec Sonic 3, dont on parlait il y a 2 minutes, qui était assez rigolote d'ailleurs. Il a permis de faire des musiques vraiment uniques à Sonic 3. Le jeu est basé sur le segment Smooth Criminal de Moonwalker, qui suit Michael Jackson dans un costume blanc, fait de type Fedora. Alors c'est les fameux costumes avec les chapeaux, là. Fedora, c'est une distrib de Linux d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble un chapeau, vous tapez juste Fedora, un chapeau Fedora. C'est vraiment le symbole, pour moi, qui a été longtemps le symbole Red Hat de Linux, puisque... Red Hat est une distribution de Linux,
Et c'est le noyau Fedora qui est utilisé dedans. Parce que c'est le costume Fedora. C'est assez drôle, c'est une distrib. Ou c'est l'inverse, alors du coup, est-ce que c'est le noyau Red Hat et c'est, Red Hat, pardon, et c'est Fedora la distrib, je sais plus. C'est l'un ou l'autre. Une des meilleures musiques de Sonic 1. Ici. Starlight Zone. Le gameplay dans la version Mega Drive, on va pas s'y attarder puisqu'on va en parler en regardant le jeu. C'est assez drôle parce que ça se joue de la même manière qu'un Shinobi. Alors effectivement, vite fait. On peut voir tous les niveaux qu'il y a. On a le Club 30, la rue, les bois, donc c'est plutôt le cimetière d'ailleurs. La caverne avec des toiles d'araignées géantes, c'est assez drôle. Et le hideout ennemi et le battle plane. Alors le battle plane, c'est que pour le niveau final si je me trompe pas. Et on doit du coup tuer le grand méchant avec un espèce de niveau 3D. La version Master System, donc on a ici les sprites, avec les enfants à récupérer. On récupère des enfants bien sûr, Shinobi, exactement. On a la rue, tout à fait. Et sur Master System, on a les mêmes niveaux à peu près, sauf quelques variantes, notamment le parking lot à la place du, si je ne me trompe pas, c'était la rue. Sur Master System, c'est un parking, les bois c'est toujours le cimetière. Mais c'est dans des bois. On a la caverne et le ennemi hideout toujours, sauf que le final round, c'est encore différent. Et on a des crédits avec des pseudonymes, parce que c'était très à la mode au début des années 80, 10, d'avoir des pseudos dans les génériques, notamment dans Sonic 1. Quand vous finissiez Sonic 1, vous n'aviez pas les vrais noms des gens, vous aviez des pseudonymes, vous aviez juste des noms. Des mots, quoi. J'ai jamais terminé ce jeu, tiens. Alors, on va voir si on peut le terminer, il y a un mode facile. Pourquoi pas. La jaquette japonaise est merveilleusement belle, évidemment. Mais même si elle est à peu près pareille que la jaquette américaine, en vérité, c'est surtout les idéogrammes qui font que c'est joli. Moi, je trouve. Et voilà, la jaquette américaine, avec la Genesis, c'est toujours ces espèces de quadris. Les jaquettes avec les gros carrés noirs, là, c'est spécial. Et les versions MSU Mega Drive de ce jeu avec les vrais zik, j'imagine t'as pas pris. J'ai pas pris, mais il y a une version qui m'attire plus que ça. Il y a une version qui fonctionne avec le Mega CD. Enfin, je trouve ça beaucoup plus real hardware que le MSU. Ça permet, si tu mets, je sais plus quel album de Michael Jackson, de déclencher les tracks pendant le jeu. Et ça va chercher les tracks au bon endroit, avec le Q. Il faut le bon album de Michael Jackson, je sais pas lequel c'est exactement. Mais il y a un mec qui l'a fait un mode comme ça. Alors. Et il a aussi restauré, en plus de ça, il a restauré Thriller, qui était dans la bêta de Moonwalker. Il l'a restauré dans le jeu, dans le sound test, tu peux écouter Thriller du coup. La dinguerie. Ah oui, mais c'est incroyable. Il y a des gens vraiment fans de ce jeu qui ont fait des trucs... je pensais pas que ça serait faisable, tu vois. Je sais que c'était faisable parce que le Mega CD faisait ça déjà sur Pierre Solar et sur d'autres trucs plus récents. Donc on a la connaissance de le faire et c'est assez drôle de voir des gens le faire, quoi. Salut Babou Babou. Comment tu vas? Genesis et la version qu'on a eue nous, du coup on va pouvoir voir l'arrière de la boîte et lire ce qu'il y a d'écrit dedans. La voix de Cathy crie « Michael !» Vous l'avez trouvé, mais il reste encore des enfants qui sont perdus. Allez-vous pouvoir arrêter Mr. Big, le cerveau au pouvoir psychique, et sa bande de gangsters avant qu'ils ne réussissent à kidnapper tous les enfants? Oui! Si vous vous appelez Michael Jackson. Marchez sur les agresseurs, forcez les minables et faites sauter les petits voyous. Battez-les tous au combat, au saut et à la danse. Déplacez-vous comme seul Michael sait le faire, au rythme de Smooth Criminal Beat It, Billie Jean and Bad. Ah, ils ont même pas traduit le end. Marrant ça. Ouais, les ROM qui peuvent utiliser le lecteur CD, ça s'appelle mode 1 CD. Ouais. Michael! Exactement. Padam 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 padam. Le Mega Drive Plus et le MSU MD. Oui, je sais. Ouais. Enfin, c'est pas. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup moins. C'est-à-dire que là, je sais que je joue pas en vrai hardware hein, parce que j'ai pas la vraie cartouche et que c'est un Everdrive et que c'est pas pareil. Mais je préfère être le plus proche possible, on va dire. Mais oui, c'est je sais qu'il y a des systèmes de MSU1, mais il faut des Everdrive chers, en fait. Et j'ai pas ça, moi. Sur Master System, est-ce que la description est la même? Je pense que oui. Ouais, Michael s'écrit à Cathy, tu l'as trouvé. C'est exactement la même description. Avec la boîte dégueulasse Master System, hein, avec les quadrillages blancs. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, les boîtes Master System. On a quand même eu de la chance de pas avoir un dessin
en mode comment ça s'appelait? Les dessins sur Word, les Word Art ou un truc comme ça, non? Non, Word Art, c'est l'extrusion du texte. Comment s'appelaient les images dans Word là, les images dégueulasses? Bien le bordel à cause de Terra Onion. Ouais, après enfin en général, hein, c'est le problème quand il y a des émulations en mode Black Belt, exactement. Clip Art, exactement. Clip Art. Ouais. Non, Word Art, c'est le texte, tu sais, ça me dit ça, où t'as de l'extrusion derrière. Word Art, c'est quand t'écris et que tu fais une extrusion chelou. Oh, c'est incroyable, il est sorti sur en Corée, sur la Master System coréenne du coup. Ah, c'est classe ça. Mais du coup, il est pas sorti au Japon dans cet état-là. Il est pas sorti au Japon sur Master System, je pense. La Master System était morte de chez morte au Japon, je crois. Ils ont même la jaquette de la version rental, version. Ah, je suis persuadé que c'est exactement la même avec un sticker. Ouais. Pff, oh là là, ça c'est un peu touchage de nouilles, hein, ça. C'est exactement la même jaquette, sauf qu'ils ont mis un sticker interdit à la location. Quoi. La sonde brésilienne, elle est chelou, hein. Elle est pas belle. Salut Floyoshi, comment tu vas? Merci. Merci Floyoshi, 54 argent dans les yeux et la bouche. You've been it by a smooth criminal. A smooth criminal. Para un rogador. Para uno rogador. Una rogador. Merci beaucoup en tout cas Floyoshi, bienvenue à toi. J'espère que tu passes une bonne soirée. Ce soir on joue avec Michael Jackson. Voilà, on est en train de regarder les boîtes, parce que c'est joli les boîtes, moi j'aime bien. On a les références, vous allez voir. Donc, ici, de toute façon, on a les refs, hein, pour le coup. Et qu'est-ce que j'ai raté? Jaquette SMS, c'est l'apologie du vide. C'est terrible, hein. Les jaquettes Master System, il y en a qui sont... Il y en a, c'est des crimes contre l'humanité, hein, j'ose le dire. On commence par... alors, un truc qui m'a été donné par Dams. Merci encore, Dams du Zodiac, vous savez. On a un community manager incroyable sur cette chaîne qui est Dams du Zodiac, qui vient de faire un tweet, d'ailleurs, que je vais retweeter. Le grand départ, carrément. C'est le grand départ, on part vers la lune avec Haruno Taku et Michael Jackson, on branche la Mega Drive, on démarre Moonwalker, yeehaw ! Roi de la pop plus Sega plus Original Hardware, vous allez voir que le titre va évoluer après, pour devenir émulation, parce que je suis honnête avec les viewers, là on est en vrai hardware, puis on passera en émulation. Je vais roter un coup, je vais donc couper le micro. Voilà. T'as remarqué que j'ai ouvert grand les yeux parce que j'ai été étonné moi-même par mon propre euro. Voilà, voilà. Donc ça a été donné par Dams. Salut, du coup, salut à toi, bienvenue. C'est la bible de la Mega Drive. Ah, attends, je retourne sur Twitter 2 secondes, juste le temps de voir ce que c'est exactement. Ah, c'est Game Museum, pardon. Ah, c'est bizarre qu'il y ait une Super NES sur la boîte, mais bon. L'encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Et dedans, il y a un petit test de Michael Jackson Moonwalker. On va regarder ça, du coup. Titre original, Moonwalker. Il s'appelle Michael Jackson's Moonwalker. Licence payée une fortune par Sega au début de la Mega Drive, le jeu Moonwalker s'inspire du film sorti en 88 au cinéma. Michael y tient bien évidemment la vedette, et il devra combattre les méchants pour délivrer les petites filles emprisonnées dans chaque stage. Je vous recommande réellement d'aller voir sur YouTube, si vous êtes fan de Michael Jackson, Captain Neo. Si vous ne connaissez pas Captain Neo, mais vous devez connaître si vous êtes fan de Michael Jackson, c'est un court-métrage qui avait été tourné pour les parcs Disneyland, qui avait été dirigé par George Lucas, avec notamment des marionnettes de Jim Henson, et il y avait énormément d'effets normaux qui rejoignaient un petit peu ce qui faisait Star Wars à l'époque, avec les maquettes, avec les trucs comme ça, c'est une histoire dans l'espace, en fait. Et « We are here to change the world », je crois que c'est ça, la chanson. Elle est incroyable, le clip est vraiment... Enfin, le clip final, enfin, le final, en gros, c'est un clip. Et c'est excellentissime. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez voir Captain Neo sur YouTube. Il y a des versions remaster en 4K, c'est vraiment très propre. Et vraiment bien fait, quoi. Revêtant la même tenue que dans le film, Michael tape la pause pour n'importe quelle action effectuée. Sa démarche et ses attaques sont directement inspirées de ses chorégraphies. De sa main ou de ses pieds se dégagent des petites étoiles qui anéantissent la vermine environnante. Un coup spécial vous permet même de lancer le chapeau magique de Michael. Mais en effectuant ce coup, la jauge d'énergie baissera quelque peu.
L'ancien roi de la pop peut aussi ouvrir les portes et fouiller un peu n'importe où. Les interactions sont nombreuses. Une fois les fillettes libérées, le singe du chanteur viendra se poser sur son épaule et lui indiquera la direction à prendre pour atteindre le boss, du coup. La direction du boss, c'est ça. Plus précisément. Une fois cette sale besogne achevée, le joueur accède au niveau suivant. Bref, un gameplay simple mais pas trop ennuyeux. Si le titre de Sega tient la route graphiquement, on ne peut que regretter la pauvreté des animations. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, il y a des animes qui sont incroyables. Après, les ennemis sont pas super incroyables, mais le personnage, franchement, Sega, Michael Jackson, il est cool à manier, je trouve. Ces dernières, saccadées au possible, c'est exagéré quand même. N'empêche pourtant pas au mouvement du chanteur d'être immédiatement reconnaissable, voilà. Donc les mouvements, je trouve que c'est assez fluide. Par contre, c'est vrai que les ennemis sont peut-être un peu... ils manquent d'étapes, quoi. Les musiques inspirées des morceaux de Michael donnent une touche particulière à l'aventure pour les fans. La bande-son amène un plus indéniable. Avant chaque début de niveau, la tête du chanteur criant vaut aussi son pesant d'or. Ainsi, le jeu reste globalement sympathique, jouable et doté d'une difficulté progressive. On peut encore y trouver son compte. Un mot sur le mode de joueur qui propose un tour par tour avec un de vos potes. Pas de quoi casser trois pattes à un Yorkshire. Bah ouais, je trouve qu'ils ont été un peu difficiles avec l'animation. Moi, je trouve que l'animation est plutôt cool. Comme vous allez voir, vous pourrez en juger en tout cas. Player One, on a un des tout premiers Player One sortis, le numéro 4 de Player One. Voilà. Michael Jackson Moonwalker version Mega Drive, le tout début de Player One comme le tout début de Console Plus, c'est en gros sorti Mega Drive. Et ils ont fait des tests import et des tests vraiment très intéressants. Très dur de les retrouver les premiers Player One, surtout en bon état. Et là pour le coup, Sega Retro, ils ont tous les magazines sauvegardés, c'est assez ouf, je sais pas où ils vont les chercher. C'est très propre, on peut voir même que les photos sont faites sur les télés. On peut voir qu'ici c'est une photo d'une télé, quoi. Plutôt classe, on voit le... Les scanlines, notamment. Aouh ! Michael Jackson, la seule star qui devrait utiliser mire couleur pour être moins délavée. Squat la Mega Drive en avant la musique. Ah oui, là, la Pisuke, je suis d'accord. C'est la blague vraiment... J'en ai marre. J'ai envie d'arrêter là. Je vais pas arrêter là, mais là, je vais juste retweeter encore un truc. Merci Fluyoshi pour le tweet, encore une fois. Vous savez que ça aide la chaîne à faire des tweets quand le live commence. Du coup, les gens en ont tellement marre, je pense, au bout d'un moment, qu'ils sont obligés de cliquer sur les liens et nous rejoindre. Plutôt cool. Si je vous disais que ce jeu est l'adaptation du film Moonwalker, vous ne me croiriez pas. Si je laissais entendre que Michael Ow est le héros principal de ce soft pas ordinaire, tout le monde rigolerait. Principal. Et si je terminais en annonçant froidement que c'est sans conteste l'un des jeux les plus originaux et les plus déments disponibles sur console, j'attirerais subitement l'attention du public. Eh bien, je le clame haut et fort, c'est vrai. Salut poupée! Ça commence vraiment... quoi, en fait. Le but du jeu n'est pas bien compliqué. Des petites filles répliques de l'héroïne du film et leur nounours ont été kidnappées par d'infâmes vauriens. Le séduisant Michael, Ow, étant lui aussi l'ami des petits... Copieur. Se précipite à pas de moonwalk pour les délivrer. Mais la tâche n'est pas aisée, car les petites chéries bien planquées, outre un esprit particulièrement brillant... Vous avez pas vu mon lama? J'ai pas la ref. Michael Wuspad. Vous avez... Quoi? J'ai pas compris la ref. Outre un esprit particulièrement brillant, vous avez pas vu mon lama? C'est dans quoi, ça? C'est dans un film des années 90 qui a dû bien marcher? Michael Wuspad dispose de divers pouvoirs que seul un mutant peut posséder. Quand il donne un coup de pied ou un coup de poing, il dégage un petit halo étoilé qui a pour effet d'envoyer son adversaire à l'autre bout de la planète. Pratique. Autre pouvoir utilisable seulement quand sa barre d'énergie est au maximum, il se met à tournoyer sur lui-même et à entraîner ses ennemis dans une danse mortelle. C'est une méthode efficace, mais gourmande en points de vie, et guère utile sur les adversaires de fin de niveau. Dernier gadget, quand son niveau de vie n'est plus en haut de l'échelle, il nous exécute un petit pas de danse et envoie son chapeau qui lui revient tel un boomerang. Tout ennemi dans la trajectoire de son galurin en est assommé de stupeur. J'oubliais
Une toute petite gâterie, le niveau 3-3, un rayon bleu traverse l'écran pendant une rapide seconde. Au niveau 3-3, un rayon bleu traverse l'écran pendant une rapide seconde. Son lama. Mais j'ai pas la blague du coup. T'avais pas vu mon lama? Attends. Outre un esprit particulièrement brillant, vous avez pas vu mon lama? Michael Wusbad. Son lama. J'aimerais bien comprendre s'il y a une blague parce que ça me saoule de passer à côté quoi. Pour le coup. La petite pelle, responsable des meilleures blagues ici. Pour l'instant. C'est bizarre du coup, je sais pas. Ah d'accord, un rayon bleu, d'accord, traverse l'écran pendant une rapide seconde. Si vous chopez ce rayon, votre Michael se transforme durant un temps limité en un immense robot équipé d'un super rayon laser et de missiles à tête chercheuse. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous épater? Hey Michael, beat it! Force à notre élégant Michael, un tas de zoulous, zombies, tueurs à gages et prostituées font tout pour lui rendre la vie vraiment plus courte. Le jeu est découpé en 4 niveaux de 3 stages chacun. À la fin de chaque niveau, vous attend un big ennemi pour un duel à mort. Si au premier, un petit coup de danse qui tue suffit pour vous débarrasser de cette épreuve, à partir du niveau 2-3, cela devient franchement difficile. Côté vilain, les surprises ne manquent pas. On commence doucement avec des mecs en costard bleu, très facile à avoir, mais rapidement, vous vous retrouvez devant des joueurs de billard qui cassent leur queue pour vous rouer de coups. Tout aussi ennuyeux, les chats planqués derrière des portes et des fenêtres alors que vous êtes allergique à leurs poils. Taille au-dessus des... Des loups commandés par un loup blanc ne se gêneront pas pour vous envoyer en enfer à la fin du niveau 2. Mis à part les aliens qui vous shootent au rayon laser, mes préférés restent quand même les zombies verdâtres et assoiffés de sang du niveau 3. Attention aux araignées du dernier niveau, il y a danger. Si vous êtes arachnophobe, allez-vous-en. Salut Fresh One, comment tu vas? Eh Fresh One, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à tous les gens qui sont fans d'arcade et qui me disent que faut pas faire d'émulation. Et que je leur dis qu'il faudrait faire d'émulation. Attention, 3, 2, 1. Sauras-tu reconnaître cet écran titre? C'est Moonwalker sur système 18. Incroyable. C'est Mail. Voilà. Et là, c'est Moonwalker sur Mega Drive, qui est sur une vraie Mega Drive que je vous remontre. Hein, ceux qui viennent d'arriver. Une vraie Mega Drive 1 sur un Mega CD 1 avec un Mega Everdrive, parce que je n'ai pas le jeu. J'ai vu qui a signé le test. Ah! Crevette, l'ami des petits, ouais. Ouais. Au secours. En ce qui concerne les décors, ils sont au nombre de 4. Le Club 30, un hôtel de passe miteux, le parking, les girls sont dans des coffres de voitures, mais on peut aussi y trouver des bombes. Le cimetière Thriller et la caverne, certaines cavités sont cachées derrière les statues d'araignées. Un petit coup de power et hop. Power up. Porte-fenêtre, égout, tombe, buisson, les petites filles sont planquées dans divers endroits qui peuvent aussi réserver quelques mauvaises surprises. Restez vigilants. Dis Michael, pourquoi tu cries? Loin d'être un classique jeu d'arcade, Moonwalker se révèle être au contraire un fantastique jeu d'action arrosé d'une légère rasade d'aventure. Moonwalker puise sa force dans son incroyable richesse. Richesse des mouvements de Michael, you know I'm bad. Des décors des ennemis et surtout source d'humour. Votre personnage possède des tas de positions de danse qui ne servent pas directement pour le jeu, mais qui distraient beaucoup les joueurs. La perfection de la finition peut aussi servir d'exemple. L'animation de Michael Chao est irréprochable, les graphismes sont très corrects et retranscrivent au pixel près l'ambiance speedante du film. Bref, un jeu sublime qui change de ce que l'on a l'habitude de voir et qui motive à lui tout seul l'achat d'une Mega Drive. Il suffit d'écouter la bande sonore. Tous les grands titres de Jackson sont magistralement orchestrés, sauf Thriller, qui n'était que dans la bêta, que vous pouvez récupérer sur un patch IPS, d'ailleurs, de la bêta. Tous les grands titres de Jackson sont magistralement, hein, pour s'en rendre compte. Et puis, je vais vous faire un aveu, Michael Jackson, je l'adore. Aouh, crevette. L'ami des petits et de Michael. Apparemment, lui aussi, il aime les enfants. Bref. 96% en résumé, console Sega Mega Drive, genre action, arcade aventure, c'est un nouveau genre encore. Graphisme 92%, son 99%, durée de vie 89%, player fun 94%. Crevette,
officiait déjà chez Player One. Ensuite, on a Joystick, alors Joystick numéro 9, qui date. Je ne sais plus quel mois. D'octobre 90, voilà. Donc là, on a un test de la version de Mega Drive. Tout comme Joe Montana Football, Pat Riley Basketball ou encore James Buster Douglas Boxing, Moonwalker fait partie et inaugure la série des jeux sur Mega Drive entièrement dédiée à une vedette du sport ou du showbiz. Ici, vous l'avez compris, la vedette c'est le seul, l'unique, le magnifique, le superbe Michael Jackson, tiré du film du même nom. Moonwalker vous emmène dans un univers cynique où la drogue et les enlèvements d'enfants règnent en maître. Mais heureusement pour vous, pour nous, pardon, Joystick c'était cool en vrai. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup de tests joystick, et il faut savoir qu'ils se sont battus, ils ont été résistants en joystick. Parce que quand Console Plus, Player One et compagnie et Joypad faisaient la guerre, ils ont continué un bon moment à faire des consoles, et notamment des consoles qui n'étaient pas traitées dans Console Plus et compagnie, l'Amiga CD32, la 3DO, tout ça. Player One faisait des tests 3DO de temps en temps, mais c'est vraiment joystick qui en faisait le plus, et qui en faisait le mieux d'ailleurs, puisqu'il parlait vraiment technique, il parlait chargement, qualité des vidéos par rapport au PC et tout. C'était vachement intéressant. Plus intéressant que c'est incroyable, c'est la 3DO. Donc c'est quand même super cool, joystick en vrai. Il n'y a pas que joystick, il y avait aussi Génération 4 qui était super stylé d'ailleurs. Règne en maître. Mais heureusement pour nous, Michael est là avec son cœur et sa générosité grosse comme un cheveu de la tête de K.A. J'imagine que ça c'est une private joke avec un des acteurs. Si le personnage n'est pas toujours apprécié, le jeu, lui, ne peut que satisfaire les adeptes des jeux de plateforme. Au cours des 5 niveaux proposés ici, Michael, vous, devez aller libérer des enfants capturés par Mr. Big, reprenant à peu près les scènes du film. Vous partez ainsi à la recherche des enfants disparus, ouvrez toutes les portes et les fenêtres du club des années 30, les coffres de voitures garés dans la rue de la ville, profanez les tombes du cimetière du clip Thriller, évitez les araignées géantes des cavernes, et enfin, dans une dernière partie du jeu, assurez à Donf pour anéantir Mr. Big dans son complexe hyper sophistiqué. Si le scénario de Moonwalker, pourtant conçu par Jackson lui-même, n'est pas très original, la réalisation de ce jeu est assez exceptionnelle. Il est vrai que si parfois j'essaye d'attraper avec la bouche ma cigarette au vol, Michael, lui, fait encore plus fort. Une pièce de monnaie à la main, un jukebox de l'autre côté de la pièce, un geste auguste du bras, et hop, la pièce dans la fente, et la musique qui inonde de sa somptueuse mélodie le haut-parleur de votre télé, ou les baffles de votre chaîne. Du grand art, vraiment très fort. J'ai beau m'entraîner chaque jour, je n'y arrive pas. À propos de musique, vous n'allez pas être déçu, puisque toutes les bandes sonores digitalisées sont issues des meilleurs titres du chanteur. C'est vraiment ce qui a manqué, je trouve, à Nintendo, hein. Michael Jackson, ou même d'avoir des jeux un peu cool, quoi. C'est ce qui manquait à Nintendo. Ils ont eu un Mortal Kombat un peu défoncé, un peu déglingué. Ils n'ont pas eu des jeux comme Night Trap, des jeux qui clairement étaient des jeux teenage et qui rameutaient les teenage, quoi. Je trouve vraiment que la Super NES était trop familiale et trop entre guillemets enfant. En fait, elle s'adressait soit au très grand public, soit au petit public des jeunes, quoi. Mais jamais elle allait au milieu, et c'était vraiment la Mega Drive qui était crantée au milieu et qui bougeait pas, quoi. Ouais, ça coule. Enfin, j'étais content parce que j'étais chez Sega et que j'étais adolescent, donc c'était cool. À chaque nouveau niveau, une musique différente. Donc si je compte bien, 5 niveaux donnent 5 musiques. Parfait, c'est ça. Au programme, vous avez donc Smooth Criminal, Beat It, Another Part of Me, Billie Jean et enfin Bad, ma préférée. Et ça n'a pas marché. Incroyable, n'est-ce pas? Et oui, la SNES, gros hardware, son, aucun banger. C'est dommage, hein. Ça n'a pas fonctionné, Madevil. Je suis désolé. Je te rembourse tout de suite. Où es-tu? Rejeté. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Désolé. Oh, ça va, hein. Fais pas un common bro pour ça. Comme la plupart de ces jeux ici, il est également question de baston. Salut Fred Kid, comment tu vas? Bonjour. FRED quitté. Not coming! Exactement. Il est également question de baston, mais attention, on ne frappe pas impunément le roi Michael comme ça. Son truc à lui, c'est la danse. Donc pour se défendre, il pourra bien évidemment utiliser ses pieds, ses poings, mais également ses qualités athlétiques hors du commun dans ce domaine. Une simple pression prolongée sur le bouton A du pad, et c'est parti pour une danse étourdissante ponctuée par du « Yeah !» digitalisé, entraînant tout sur son passage. C'est vraiment du grand spectacle. Si la présentation de Moonwalker semble pour l'instant idyllique,
Un point noir subsiste, le jeu est vraiment trop simple. 3 heures de suite et c'est fini. Un peu justement. Mis à part ce détail qui a son importance, vous ne pourrez pas être déçu, c'est du très bon. Oh, c'est GM Destroy qui a fait le test. Un peu plus sérieux comme test hein, que Crawdad. 400 francs environ, comme vous le disait, hein, les jeux à l'époque c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. 400 balles, on n'avait pas de jeu indé qui coûtait 2 euros sur Steam pendant les soldes. 3 heures parfait, la durée d'un stream. Non, mais là on est déjà en retard. 3 heures ça nous ferait finir à minuit 30. Quoi. Si je commence maintenant, et je commence pas maintenant. Joystick donc, 87%, bon un bon petit test en vrai. Et on a Player One qui revient beaucoup plus tard, puisqu'il est sorti un an après. Dans le numéro 9 de Player One, on a Michael Jackson sur Master System. Par contre, je sais pas où ça commence. Là, d'accord. Festival de stars après Arnold Palmer, John Madden, Joe Montana, Indiana Jones et Mickey. Voici Michael Jackson. Ce n'est ni un sportif ni un aventurier et encore moins une souris. Simplement le chanteur le plus disjoncté de la planète. Disjoncté, putain, c'est le dernier adjectif que j'aurais utilisé sur Michael Jackson. Le dernier, vraiment. L'heure est grave, l'infâme Mr. Big a enlevé des petites filles. Michael, qui est lui aussi l'ami des petits et des petites. C'est encore lui, hein ? Me dis pas que c'est encore lui. Si c'est encore lui, je lis pas le test. Iggy. Bon, c'est pas lui. Dommage, on est obligé de lire le test. Ça commence tellement mal que j'ai pas envie de le lire, putain. Se précipite à la rescue Shinobi Jackson. Cette fois-ci, le petit Jackson a la rage bien moins pacifique que sur Mega D. Cette fois-ci, le petit Jackson a la rage bien moins pacifique que sur Mega D. Il n'envoie plus d'éclairs magiques et met KO ses ennemis à coups de poing ou de pied. Michael, nouvel as des arts martiaux. Mega Drive, Mega D. Ah, ok. Jamais vu cette abréviation. Parce que là, on est sur Master System, hein. C'est pour ça qu'il parle de la version Mega Drive. Tout cela accentue le côté beat'em up du jeu et le rapproche d'un programme genre Shinobi, un programme au lieu d'un jeu. Rassurez-vous, Michael dispose également de pouvoirs magiques en appuyant longuement. Sur le bouton de tir, il peut entraîner ses ennemis dans un ballet dont ils ressortiront épuisés. Tout le monde n'a pas les talents de danseur des frères Jackson. Le pouvoir le plus intéressant reste toutefois celui qui permet à Michael de lancer son chapeau sur les adversaires. Il est plus sûr de frapper à distance. Mais attention, chacune de ses attaques spéciales et chaque coup reçu font baisser la réserve de points de magie. Et lorsque celle-ci atteint zéro, Michael meurt. C'est définitif. Michael meurt. Heureusement, la magie se recharge automatiquement quand on ne l'utilise pas. Petit tour du propriétaire. Je comprends 6 niveaux, eux-mêmes divisés en 3 sous-niveaux. L'action commence dans le club 30. Michael se bat contre des gangsters en costume d'époque. Changement de décor pour le deuxième niveau, dans un parking, il doit lutter contre des loupards escortés de Doberman. Le troisième niveau se déroule dans un cimetière où Michael se mesure à une armée de zombies. Et tout accompagné par la musique de Thriller. Alors, du coup, la musique de Thriller a été gardée sur Master System, manifestement, puisque sur Mega Drive, elle n'y est pas. Ensuite, le quatrième niveau l'oppose à des araignées au cœur d'un réseau de cavernes. Ce n'est pas toujours évident de retrouver son chemin, mais ce côté labyrinthe ajoute un plus au jeu. Décor high-tech au cinquième niveau, nous sommes carrément dans le repère de Mr. Big. Bonne chance. Pour venir à bout de chaque niveau, il faut trouver les enfants. Ils sont dissimulés. Pour cela, un seul moyen, ouvrir toutes les cachettes potentielles. Porte, fenêtre, coffre, voiture, tombe, etc. Attention, si certains contiennent effectivement des enfants, d'autres sont truffés de bombes. Mieux vaut courir vite. Heureusement, vous y trouverez également les extra lives. Ce soir, Radio Cutman, c'est très très bon. Trouverez également des extra life ou des points de magie supplémentaires. Lorsque dans un niveau, toutes les gamines ont été libérées, Mr. Big apparaît et nargue le héros. Alors c'est pas vraiment ça. Peut-être que sur Master System, c'est ça du coup. Mais sur Mega Drive, on a le singe de Michael Jackson qui vient directement. J'en crois pas mes yeux. Moonwalker a été super bien adapté pour la Master System. En voyant ce soft tourner sur Mega, on se disait que ça devrait être le genre de jeu inadaptable sur console 8 bits. Les graphismes étaient beaux, l'animation réaliste, les musiques réussies. On avait l'impression que le jeu avait été conçu uniquement pour montrer les capacités de la 16 bits.
Pourtant, les programmeurs ont réussi, parce que tout le monde sait que les graphismes sont faits par les programmeurs. Les programmeurs ont réussi cet exploit, déjà must sur la Mega. Moonwalker l'est également sur Master. D'accord, ce n'est pas tout à fait la même chose, sinon à quoi ça servirait de dépenser 2000 francs pour une 16 bits, hein? Mais ça reste très impressionnant sur écran pixelisé. Michael danse et exécute ses célèbres moonwalk ou ses pointes comme le vrai. Les fameuses pointes de Michael Jackson, comme ça là. C'est carrément la meilleure animation jamais vue sur cette machine, génial. Le même soin a été apporté au graphisme, finesse des personnes, graphisme. Meilleure animation jamais vue sur cette machine, génial. Finesse des personnages, beauté du décor, c'est excellent. C'est la bande sonore qui a évidemment le plus souffert, mais elle garde néanmoins du charme. Plus de ouh ou de oh my god digitalisé, chaque niveau est rythmé par un hit du petit Michael, Beat It, Smooth Criminal, Thriller, et les tubes sont parfaitement reconnaissables. Vrai travail d'orfèvre. En plus, malgré son côté un peu répétitif, le soft est vraiment agréable à jouer, on ne peut que craquer, même Wonderfra a bien flashé sur cette cartouche, et pourtant, croyez-moi, nous ne sommes pas des grands fans du délavé de choc. Michael, avec des softs aussi réussis que ça, c'est quand tu veux. Je préfère quand même Jimi Hendrix. C'est pareil, du déhanché vaut son pesant de cacahuète. C'est lequel? Celui-là? On va regarder les notes vite fait. Je pense qu'on va skipper un des deux tests de joystick. Juste vous montrer qu'il existe, mais on va pas le faire en entier. Console Master S. Genre jeu de combat. Ils avaient pas le time, ils voulaient pas écrire Master System. Graphisme 92%, animation 94%, son 89%, player fun 96%. Je comprends rien à ces icônes. Genre vraiment rien. Un autre test de joystick cette fois, de mai 91 pour la version Master System qui est sortie un an plus tard. Et là on a un test plus global et plus petit, on va le lire celui-là. C'est les versions micro-ordinateur de Moonwalker. Océan donne du fil à retordre à notre pauvre petite star mondiale, millionnaire et agacée par des fans acharnés. Pauvre bête. Putain, c'est une violence. C'est joystick donc de janvier 90. La version Mega Drive est sortie avec une ribambelle de portages, notamment ST et CPC de Moonwalker. Et voilà, le test de joystick. Who's bad? Je le fais bien, hein. Alan Michael, mais c'est pas des paroles en l'air, parce que là, vous allez pouvoir jouer les petits singes... Pff, oh là là... Et dans un de ses épisodes favoris, la fuite devant ses fans. Ouais. En quatre tableaux, vous allez devoir trouver... repos en toute tranquillité, à vos marques, go. Je lis en avance parce que j'ai peur de ce qu'il y a écrit en fait. Vous êtes dans des studios de cinéma et vous devez retrouver 7 morceaux du costume de lapin de Michael. Vous passez inaperçu devant la horde de fans galopant derrière vous. Une fois déguisé, on ne se moque pas, il a l'air con, mais il a du fric. Vous devrez trouver la moto qui vous amène à Michaelville. Non, il n'est pas mégalo. À moto, vous devrez foncer tout en ramassant des machines lumineuses et des machins lumineux et magiques, transformant votre moto en super bagnole capable de sauter au-dessus du barrage que vos fans acharnés ont monté sur la route. C'est Live Me Alone version jeu vidéo. Vous vous retrouvez dans un club et là, vous devez encore affronter des fans. Singler, enlevé Cathy. C'est quoi cette version? Attends. Il faut que je regarde, parce que je comprends pas. Il était si différent que ça. Moonwalker ST. The Computer Game. Ah oui, d'accord, donc on est vraiment sur autre chose là. On est sur un autre type de jeu quoi. C'est vraiment Michael Jackson, ça ? Je veux dire, il a vraiment donné son aval pour ce truc-là. C'est Océan qui a fait le jeu, hein, déjà. Ouais. C'est vraiment pas le même jeu, en fait. C'est Space, quoi. On dirait Tortue Ninja sur NES, un peu. Sur Atari ST, c'est un peu la même chose. Okay. Donc le mec va jamais très loin.
C'est un jeu vu de haut, du coup. Et sur MS-DOS, il est sorti aussi en CGA. Des couleurs dégueulasses. Et en EGA, ça donnait ça. Alors sur C64, ça donnait quoi? C'est Metal Moonwalker. Metal Moonwalker solide, exact. Ah putain, et là on a carrément Michael en position lascive allongée et tout. C'est gênant. ZX Spectrum. Ouais. ZX Spectrum, les limitations sont tellement grosses que... Sur MSX. Moonwalker est sorti sur MSX en 89. Alors ça, ça c'est dégueulasse. Désolé, mais... Ouch. C'est chaud. Arcade 90, Mega Drive, ça c'est ce qu'on va voir après. Ok. Admettons. De bonnes trouvailles dans ce jeu qui mettent en scène... Alors la version ST du coup, 86%. De bonnes trouvailles dans ce jeu qui mettent en scène la star que vous incarnez. Les niveaux sont très difficiles à passer, ce qui fera peut-être la longueur de vie du soft. Parce que les scènes, en général, sont très classiques, souvent énervantes et quelquefois pratiquement impossibles à réussir. Les graphismes sont réussis, bien que très souvent simplistes, et l'animation est rapide et fluide. Disons que tous les grands thèmes de l'arcade sont réunis et réussissent, et réussir rapidement est difficile. C'est pas du CPC. On s'achève. Quel autre chanteur peut se targuer de tant de jeux? Aerosmith. Aerosmith, ils ont eu Revolution X et un autre. Ils ont eu deux jeux Aerosmith. Ils ont eu un jeu de plateforme dégueulasse et un jeu de tir au gun. Et ils sont sortis sur plein de machines. Pour le coup, Mega Drive, Super NES, PlayStation, Saturn et tout et tout. Donc je pense qu'ils ont eu pas mal de portages en vrai. Pas facile d'adopter un soft tel que Moonwalker sur CPC. Ils ont eu les versions arcade aussi, d'ailleurs. À cause de la musique d'abord, on sait ce que vaut le chip sonore de la bécane, et la définition ensuite, et la disquette tient. À part le pas de danse du début, les programmeurs ont carrément sucré la séquence de transition. On ne verra donc pas le méchant enlever une petite fille ou Michael Jackson jeter sa pièce dans le jukebox, depuis l'autre bout de la salle, pardon. Le jeu lui-même est plutôt bien fait, pas transcendant, certes, mais agréable à jouer. Même vu de dessus, on reconnaît la façon de courir de Jackson. La transcription musicale est un peu plaintive. Mais il paraît que Michael Jackson lui-même a supervisé le soft. Donc pas plus royaliste que le roi. Et s'il se trouve que nous n'avons pas perdu la tête, pour autant, nous sommes bien amusés. Hatsune Miku. Oui, mais c'est dans l'autre sens, non? Allez, Spice Girl, c'est vrai. Bah, il y en a qu'un seul, il y a eu Spice World pour les Spice Girls. Spice World, c'est un jeu de mini-jeu, mais... 1, 2, 3, l'instant Bailly arrive, attention, est-ce que vous êtes prêts? What are you buying? J'ai tapé Moonwalker dans le champ de recherche de Bailly. Bailly, qu'est-ce que c'est? Bailly, c'est un proxy qui vous permet d'acheter au Japon, notamment via Yahoo Japan Auction et Mercari, qui sont des sites qui ne livrent pas à l'international. Bailly, c'est donc l'intermédiaire qui va vous permettre de commander sur ces sites directement avec leur interface, et de vous envoyer ça à l'international, moyennant frais de port et frais de douane, et quelques petits frais par achat qui sont vraiment très faibles, vous pouvez directement commander sur Mercari. On peut voir déjà que le jeu Mega Drive est disponible, ici, en boîte, sans boîte, pardon, à 45€, en boîte à 110€, le phénomène de la mort de Michael Jackson a multiplié les prix par 10, même chez nous d'ailleurs, d'abord chez nous, puis au Japon, hein. La cartouche se trouve plus du tout à moins de 30€ du coup, et c'est un peu dommage. Mais la boîte est cool, pour le coup. Donc voilà, pour 110 balles, pour un peu moins d'une centaine d'euros, en tout cas, vous pouvez avoir un Moonwalker normalement au Japon. Je vais récupérer le mot Moonwalker et vous montrer ce qu'on peut trouver sur Yahoo Japan Auction pour le même prix. Pour le même chose qu'on cherche, plutôt. Mais Hatsune Miku est né du jeu vidéo, donc c'est un peu chelou. Mais... Moi, je sais pas. Et là, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun jeu vidéo du nom de machin. De ce nom-là sur Yahoo Japan Auction. C'est triste. On va passer direct au jeu. Incroyable. J'ai très chaud.
Vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir la fenêtre. Et enfin, je vous mets en pause et je reviens. Et s'il y a un train qui passe, je couperai le micro. N'hésitez pas à me dire si il y a du quand il y a du bruit et que c'est insupportable. Vous êtes arrivé en gare de... Oh, il y a des chances que vous entendiez vraiment les annonces en plus. Pour le coup. Alors on passe en game, on joue sur le GBSC AIO. Vous pouvez voir que l'image est incroyable. Il fait beau. Il fait beau, il fait bon, ça fait plaisir. Et voilà, on est parti. Squalala, comme on dit. On est parti sur la découverte du jeu. On va couper la musique, on va mettre le jeu. Donc on joue sur une vraie Mega Drive 1, sur Mega Everdrive, et avec le GBSC AIO en RGB. Moonwalker. Et alors on a le petit sound test quand même, avec Smooth Criminal, avec Beat It. Incroyable. Et avec Another Part of Me. Juste ça, déjà, ça remplace un album. Hein. C'est incroyable. Billie Jean. J'ai pris un GBSC bleu, mais pas avec un skin Sonic. Il y a un skin Sonic. Et Bad. Voilà, on va se mettre en facile, parce qu'on a juste envie d'avancer. Et on va regarder ça. Alors, je ramène le petit écran de contrôle. J'espère que ça va être facile. De toute façon, c'est très facile, je crois. C'est plus dans les niveaux suivants que ça va être un peu plus complexe, je pense. Cette entrée dans le club 60, je sais pas combien. Le club combien, d'ailleurs? De quoi parle-t-on ici? Ah, il y a un méchant. Donc avec B, je donne des petits coups de pied, sauf si je suis baissé. Là, je donne des petits coups de poing avec des petites étincelles. Comme vous le voyez, c'est infini, d'ailleurs. Et si je fais ça en l'air, vous voyez, hop, il reste coincé sur ses pointes. Et après, si je fais O comme ça, il reste coincé sur ses pointes. Et si je fais O plus B, il donne des petites étincelles en l'air. C'est vraiment stylé. Non, c'est pas émulateur ce soir. C'est pas encore émulateur. Bientôt. Juste après, ça sera émulateur. Bienvenue, Tom Vokova. J'espère que ça va bien. Ensuite, on a C pour sauter. Vous voyez que le saut est incroyable. Et A, donc le fameux A, c'est si on maintient A. Vous voyez que je perds beaucoup de vie et je lâche mon chapeau. Et si je fais un appui rapide, je fais que perdre un peu de vie en roulant pour rien. Mais si j'attends, regardez ce qui se passe. Normalement, si j'attends, la barre d'énergie remonte. Par magie. Très bientôt. Tom, il a hâte que j'aille en émulation. Il est là juste pour ça. Il est là juste pour clipper le fait que je passe en ému. Donc ça, c'est des putes. Enfin, pardon. C'est des hôtesses, on va dire. Et vous voyez, hop, elles m'empêchent d'avancer. Elles le font pas mal, mais elles m'empêchent d'avancer. Donc hop, on les tape, elles ont peur et elles s'en vont. Allez, bim! Ah, la chute. Et on peut faire du piano aussi. Ça, c'est incroyable. J'aime bien. Je crois qu'on peut lui envoyer la chaise à lui. Voilà. Du coup, il est mort par la chaise. Des quoi? Des hôtesses. Il n'y avait rien. Le billard. Avec la fameuse queue de bière. Avec une... C'est carrément une queue de bière. Carrément. Et
Attendez. Je me concentre. Est-ce que j'ai toutes les filles? Est-ce que j'ai sauvé toutes les petites filles? C'est ça la vraie question. Le sprite de sauvetage des enfants. Les enfants sont chelous dans ce jeu. Hein. Moi, je les trouve pas très très bien foutus. Pas très très bien foutus. Je les trouve pas très bien fait, on va dire. Bien foutu, c'est bizarre. Blam blam! Je l'ai sauvée, elle. Elle est où, celle que j'ai pas sauvée? J'ai encore oublié quelqu'un. C'est ça, hein. Il faut faire l'appel quand vous faites des garderies ou des sorties. Hein. Et voilà, c'est la dernière. Donc voilà, là je sauve les petites filles et vous voyez, le singe il me dit d'aller en bas. Donc je vais faire saut. Je sais pas si ça je peux le faire tomber. Est-ce que je peux le faire non. Crescent day, what a black day. Donc on avance. Vous voyez, il indique avec sa petite main. Là, c'est tout droit. Oh, le boss est là. C'est lui, Mister... Mister comment déjà? Animation dans les escaliers, au secours. Il y en a pas. Bon, non, en mode easy, hein. Le but, c'est juste de voir le jeu. Après, le mode arcade, il va durer... Enfin, le jeu arcade, il dure plus longtemps. Donc... Ça va nous permettre d'avoir un peu de temps de stream, normalement. Incroyable. Ah, il fait frais, ça fait du bien, putain. Ah, le courant d'air, là. Ah oui, il y a plusieurs niveaux, d'accord. Est-ce qu'il y a une petite fille? Non. Est-ce qu'il y a une petite fille? Non. Est-ce qu'il y a une petite fille? Ah bah, dis donc. La flemme de mettre deux notes sur le piano. C'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, là, ça devient compliqué. Hein. Le niveau est vachement plus gros que ce que je pensais. Et il y a trois niveaux comme ça. Il y a trois niveaux... thématique, du coup. Petit bruit de paillettes, comme dans Columns. Ah, c'est le même bruit de paillettes? Le tiki-ding, tiki-ding? Je savais pas. Dans Columns, il y a un bruit comme ça, putain. En même temps, j'y joue tellement mal à Columns à chaque fois que j'y joue. Je trouve vraiment que les règles de Bakubaku Animal sont bien meilleures que celles de Columns. Columns, c'est vraiment trop simpliste. Ça a toujours été le truc que je me suis dit. Je trouvais ça un peu dommage. Ah oui, il y en a qui ont des pistolets, quoi. Par contre, elle est où, la dernière petite fille? Parce que... Ah, d'accord. Pas la dernière. Si, c'est la dernière. Donc, c'est en haut qu'il faut aller, vous voyez. Le bras, il fait... Ça veut dire en haut. Il est très bizarre, mais c'est vrai. Alors, je sais pas jusqu'à quel étage il faut aller. Encore en haut. Ah, d'accord. En haut, sur ce côté-là. Ah, de l'autre côté, c'est les flippers, apparemment. C'est le dernier étage à côté des flippers, donc ça doit être là. Hop là. Ah ah ah, you'll never catch me. Ah, ils ont tous des armes. Il a une arme! Nous avons tous une arme! Il a un sabre, pardon. Il a un sabre! Nous avons tous un sabre! Quelqu'un a la ref? Est-ce que quelqu'un a cette rêve? Attention, il a un sabre! Mais nous avons tous des sabres! Un des meilleurs Disney. Très dur de départager les Disney. Ça, c'est... Ils disent quand même que l'animation est extrêmement saccadée. Regardez cette animation, quoi. Ils hallucinent, en fait, quoi. Oula, c'est tombé. Je vais d'abord aller voir en bas. Apparemment, le pattern dit que c'est en haut, là. La fin des niveaux. Le joueur de billard, Karema. C'est carrément une queue de billard. Carrément. Les gens qui n'ont pas la ref, ils doivent tellement rien comprendre à ce que je dis, c'est terrible. Tout le monde a la référence tous sur les jeux. Les Columns, on pouvait y jouer dans la galerie marchande de mon supermarché. Bah, moi, je pouvais jouer à Shadow Dancer. Hein. Il semble bien qu'il l'avait en borne dans la...
au continent où j'allais. À la sortie du continent, la porte qui menait à, enfin la grande porte d'entrée qui menait au parking, il y avait une brasserie sandwicherie. Et dans cette brasserie sandwicherie, ils avaient la borne de Shadow Dancer. C'est bien celui où il y a le loup qu'on peut envoyer où on veut, Shadow Dancer, il me semble. Babou! Vous étiez pas vu? Vous êtes arrivés. Quasi en même temps. Enfin, pas en même temps, mais vous étiez tous les deux là en même temps. Oh, dégage. Hein. Vous avez vu ça un peu ce qu'on peut faire? Regardez. On peut refaire ses lacets. Faire. Ouh! Incroyable. Ce qu'on peut faire dans ce jeu. Et ça me rappelle des souvenirs, parce que moi je l'avais eu quand j'étais petit, enfin mon frère l'avait eu quand j'étais petit. Et moi j'y ai jamais vraiment joué, parce que bah, je comprenais pas trop. J'étais trop jeune pour y jouer, je pense. Mais c'était drôle de voir ce truc. Quoi. On peut faire... Ouh! Oui, on peut le faire. On joue sur une vraie Mega Drive, encore une fois, pour ceux qui arrivent. On est sur vrai hardware, c'est important. Niveau marketing, il faut le préciser. Comment on fait descendre ça par contre? Faut faire où? D'accord. Okay. Salut Kazer! Hey, 16... Kazer LL nous sort ses 16 bits. Nous sort ses 16 bits! Et merci, merci beaucoup pour tes 16 bits, Kazer. J'espère que ça va. J'espère que tu vas oublier. J'espère que tu passes une bonne soirée avec Michael. Je pense qu'elle est là, la dernière. Et maintenant le singe. Oh, j'ai raté une petite fille. Bah, moi qui suis un pro. D'habitude, j'en rate pas une. Tu seras touché par. Tu seras bloqué par. Un criminel doux. Un criminel lissé. C'est terrible. On peut faire où? Bah, je sais pas ce que j'ai raté, hein. À part ma vie, je veux dire. Il y a la pause. Et j'ose pas l'utiliser, moi. Et merci, Dams, encore une fois, d'alimenter. Qui se prend pour un smooth criminal? Et oui. J'aurais dû investir dans un Fedora pour le coup pour avoir le look de Michael. Je pense que je vais me remettre un peu à faire pas des costumes, mais à faire des trucs un peu thématiques. Pas besoin de se lever pour faire une pause. Pour faire pause. Et oui, contrairement à la version Master System où le bouton pause est sur la console. Je crois qu'il y a des modes maintenant pour mettre la pause sur les manettes. Du coup dans Psycho Fox ça permet de changer de personnage, notamment directement sur la manette, d'avoir ce genre de fonctionnalité. Plutôt cool. Bon, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Parce que je crois que j'ai tout le monde. Faut bricoler le câblage d'une manette pour ça aussi. Oui, faut rajouter un câble dans la manette. Ouais. A smooth criminal. Et un pro de toucher les petites filles, très tendancieux ce stream, et oui. C'est tout le principe des streams Moonwalker à chaque fois. Quelle que soit la phrase que tu vas prononcer, ça sera problématique. Par contre, j'ai un vrai problème là. J'ai un vrai problème de petite fille. Si vous voyez ce que je veux dire. Da 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 da. Moonwalker, exactement. Moonwalker c'est comme Wind Waker en fait. Hein. C'est un peu c'est pas les mêmes jeux, c'est les mêmes jeux. Hein. C'est qui a fait cette réflexion insupportable? Ah oui, Joris CDI. J'étais chez Joris CDI tout à l'heure. Joris CDI qui est très ami avec Gnocchi. Vous savez, le nouveau Quack-Quack. Mais apparemment, Quack-Quack choisit ses amis en fonction de certains critères. Et c'est drôle parce qu'il a dit, vous vous rendez compte qu'un jour, peut-être, il y aura des personnes, leur console rétro phare et préférée, ça sera la Switch. Et je me dis, putain, mais oui, en fait. Imagine.
Ça marchera toujours, il y aura toujours une Switch qui marchera, il y aura toujours des cartouches Switch qui marcheront, tu vois. Alors que, bah, la PS5, je vois pas comment c'est possible, tu vois. Padapadam, padapadam, padabadadadam. Il y a un truc qui m'échappe, je sais pas comment faut faire. What a black day. Merci pour ton raid, Fantomette. Merci, Fantomette. Merci beaucoup pour ton raid. Bonsoir, tout le monde. Alors, il y a la pub. À skip. Alors, il faut pas dire bonsoir au raid tout de suite. Il faut attendre la fin de la pub. Et ça dure quelques secondes. Salut, Don Pablo, comment tu vas? Eh ben, ce soir, on est sur Wind Waker, j'allais dire, non. Sur Moonwalker. Salut, Dorian, comment on va? Bah, ça va super, écoute. On est sur Moonwalker ce soir. Je comptais faire la version Mega Drive. Puis la version arcade en émulation. Oui, l'émulation. Moi qui n'aime pas montrer de l'émulation sur ma chaîne parce que c'est pas comme à l'époque, c'est pas accurate et c'est pas machin. Mais on va sûrement faire la version arcade de ce Moonwalker. Ici on voit la version de Mega Drive. Troisième niveau sur. En 2050, le président de la France aura grandi avec Kwaku Bey et. Skibidi Toilette, c'est quoi Skibidi Toilette? Je connais pas. Eh bien, bonne chance, moi je vais manger et au lit. Je me lève tôt demain. Eh bien écoute, merci encore pour ton raid et bonne soirée à toi, Fantoman. Merci d'être passé, encore merci pour ton raid, du coup. C'est super cool de ta part. Ça y est, Kazu, t'as fini de farmer les vieilles. Kazu? C'est qui Kazu? Et salut Bubble Bubbles, j'espère que ça va bien aussi. J'ai eu le temps de finir un jeu de casino. Casu égale Fantomette, et pourtant il s'appelle Fantomette. Je comprends pas. C'est le même actuel des jeunes sur TikTok inspiré de Skibidi Bop. Mais même juste avant. Et d'un skin avec un mec dans des toilettes. Aïe! Mais c'est terrible! Qu'est-ce qui se passe en fait avec les jeunes d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils écoutent pas du Jimi Hendrix comme tout le monde? Ou du Michael Jackson? De toute façon, on est tous le boomer de quelqu'un. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est assez terrible. Est-ce qu'il faut danser les jeunes à la dérive? Les jeunes à la dérive dans des sous-marins. Allez, à plus, Fantomette, merci encore. Il y a un téléphone, je peux l'utiliser? Non? Je peux rien utiliser d'autre que les portes, on est d'accord? Tu seras touché par... Tu seras bloqué par... Un criminel, Alice. Take that. Merci. Oh, merci Michael Knight. Allez donc, ça enchaîne. Michael Knight qui m'a plus ou moins inspiré, hein. Je vais être honnête, hein. Je vais pas être focus. Je l'ai vu faire du Michael Jackson avec un petit problème sur son GBSC d'ailleurs. Ça a été l'occasion pour moi de tester mon GBSC sur une vraie Mega Drive. Et bah ça va. Je sais qu'il a des petits problèmes de saute de GBSC. Et bienvenue à toi en tout cas, merci encore pour ton raid, Michael Knight. Je comprends pas. Comment on finit le jeu? Il me manque une petite fille, elle est nulle part. Je me disais que c'était pas une coïncidence. Et non, tu es un influenceur. Évidemment. On serait là. Rétro moustache, salut. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Exactement. C'est cette musique-là. C'est mon câble RGB qui déconne. Il est réparé ce soir en live. Ah, trop bien. Bah, tu vas pouvoir enfin refaire des lives Mega Drive qui ne sautent pas. Alors. C'est cool. Je suis rassuré pour toi parce que j'avais peur que ça soit le GBSC en fait. Mais cool, vraiment très bonne nouvelle. Salut Jason! Sorti de son contexte, il me manque une petite fille, ça fait bizarre. Alors. Bonjour! Retro moustache. Merci. Faut savoir que depuis le début du stream, il y a beaucoup plus de choses hors contexte que ça. Vous savez ce qu'il faut faire après ça? Parce que moi, je sais pas. Ça m'échappe. Asmuth, criminel.
Texte. Il faut ouvrir toutes les portes et trouver les gamines. J'ai ouvert toutes les portes du niveau là. Là, je te jure, j'ai fait méthodiquement. Je vois pas quelle porte il me manque. Il faut casser des trucs ou faire des machins? Parce que je vois pas. Ah, les fenêtres aussi? Ça, c'est nouveau pour moi. Par contre, ma vie remonte plus, là. J'ai remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... ma vie remonte plus, là. Ah, tu le fais trop bien, Madou. Ça, vous le faites trop bien. Franchement, j'ai l'impression d'entendre Michael Jackson. Un truc là. Il y a des chats aussi. C'est ça le nouveau truc du jeu. Ok. Donc on peut aussi fouiller les petites filles, déjà. Mais on peut aussi fouiller ça. Ah, c'est un vrai boss là. Ah non, d'accord, ok. C'est toujours le singe. Ok. Cool. Bah, on avance. Très bien. Le chat de l'enfer. Ah, il doit être chiant le chat. Le chat, il a l'air beaucoup trop agile pour être rigolo. Il a l'air relou. Ah mince, on peut pas faire comme dans Alex Kidd in Future in High Tech World. Are you okay, Henny? Are you okay, Henny? Bah, merci à vous deux en tout cas pour vos raids respectifs. Je fais un shootout à Fantomette. Ensuite, je ferai un shootout à Michael Knight. Du coup, c'est là-bas, hein, le boss. Dans ce pas, je range et bye bye cette journée. Ok, et bah très bonne soirée à toi et merci encore pour ton raid. La prochaine fois, je te jure que je leur que pas. et je viens pas juste récupérer des idées de stream. Mais pour le coup, c'était vraiment une envie que j'avais surtout de faire l'arcade en fait. Quand je t'ai vu faire la version Mega Drive, je me suis dit, ah, si seulement je faisais la version arcade. Mais je vais la faire un peu plus tard dans la soirée. J'adore. Il a fini comme pareil Goemon 2 sur Famicom avant. Ah ouais, c'est chaud. Goemon 2. Voleur d'idées, vilain Arinotaku. Mince. Je le ferai plus, promis. Le Club 30. Et là, deuxième niveau, avec Beat It, cette fois. Avec des loupards, vous avez vu. Ça, c'est... oh, il y a un chien. Can you pet the dog? Truc. On est carrément sur le bruit d'explosion de Sonic. Hein. Les bombes, elles font clairement le bruit d'explosion qu'il y a dans les Sonic. Et bah ça y est!
On va avoir le singe, du coup, on va pouvoir avancer. Si le bruit vous est insupportable, dites-le moi. Mais normalement, ça devrait aller. Peut-être baisser mon micro, en fait. Je vais avoir un petit son désagréable. Fin du stream, tu nous fais un moonwalk dans le fond de la pièce. J'ai dit. Ah oui, alors tu as demandé. Beat it, just beat it. Oh bah c'était facile. Deuxième niveau. Deuxième niveau du deuxième monde. 2-2. Ah, là c'est le parking, pour le coup. On sent que c'est des loupards, hein, quand même. Moi ils me font peur. Perso, moi ils me font peur. Ah la bombe. Bomba. Et du coup, ouais, c'est rigolo, vous voyez les petites... En bas de l'image du jeu, vous avez des petits points qui dansent en bas. C'est la palette Mega Drive. C'est très très cool ça. À voir, je trouve. Beat it. Beat it. Non, dégage. Show you me how strong is your friend. It doesn't matter who stand up. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Ça va, hein? Je suis un bon interprète ou pas? J'étais sosie de Michael Jackson pendant une semaine au Club Med. Et j'ai perdu le concours. Sans déconner, mon moyen frère, on a 2 ans d'écart, je crois. Il l'a vraiment fait, alors qu'il lui ressemble pas du tout. Mais il dansait pas trop mal, en vrai. Il a vraiment fait dans un Club Med concours de sosie de Michael Jackson. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Donc j'étais moins fan de Michael Jackson que lui. Et aujourd'hui, j'ai des laserdiscs, j'ai plein de trucs de Michael Jackson. Je vous ai pas encore fait de live vraiment Michael Jackson. Peut-être qu'un jour je ferai du Space Channel 5 2. Et peut-être que ce jour-là, je vous montrerai les laserdiscs et tous les trucs un peu collector que j'ai de Michael Jackson. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est aussi apparu dans Space Channel 5 Part 2. Il me semble seulement le Part 2 d'ailleurs, si je me trompe pas. Je crois pas que ce soit pareil dans le parti. They kick you, they beat you. Salut Alpha Mal, comment vas-tu? Ah, il faut descendre. Ah, il fallait remonter, pardon, c'était au bout. C'est là, il faut aller au bout. J'ai regardé mon écran de contrôle. J'ai pas peur de toi! Alors où est-ce qu'il faut que je me mette pour être le moins en danger? Ah merde, c'est que des soldats... Ok, d'accord. Ah bah d'accord, on n'est même pas obligé de les tuer en fait. Faut juste éviter leurs balles. Même la part 1 pour Space Channel Michael Jackson, pour Space Michael Jackson. Ah c'est intéressant, ça je savais pas. Je savais pas qu'il y était dans la partie. Hein. Il me semblait qu'il était que dans le 2. Il fait aussi une apparition dans Men in Black d'ailleurs. Ça me fait toujours rigoler de revoir ça. Vous savez que la ligne de points de couleur en bas de l'écran représente la palette de couleurs du jeu. Exactement. En fait, la partie graphique de la Mega Drive, du 68000 de la Mega Drive, elle doit toujours afficher toutes les couleurs qui sont utilisées sur la palette. Et à chaque fois, ça se fait en dehors de l'overscan. Alors l'overscan, c'est la partie qui est censée ne pas être affichée. Sur les télés. Sauf que là, vu qu'on n'est pas sur une télé cathodique, eh ben on le voit, puisque ça va au-delà de ce qu'une télé cathodique affiche. Et on peut voir en bas les points de couleur. Pourquoi je le sais? Parce que ça m'a intéressé très tôt, quand j'étais petit, parce qu'avec le 50 Hz et les bandes entre guillemets noires qu'on avait sur Mega Drive, c'était pas des bandes noires qu'on avait sur Mega Drive, avec le 50 Hz, c'est l'affichage qui était plus tiré vers le centre de l'écran. En fait, on avait des bandes sur les... On n'avait pas des bandes, on avait moins d'affichage en 50 Hz. Et du coup, ce moins d'affichage, ça se traduisait par voir vraiment les bords, là, ce que la console affichait, donc ces fameux points de couleur.
Et c'est vachement intéressant de se dire que la console est obligée d'afficher ces informations de, entre guillemets, de debug. En tout cas, c'est comme ça qu'est fait la partie graphique. J'ai refait récemment la version GBA, il y avait bien Space Michael tout pixelisé. Dans la version GBA, il est aussi, putain, en fait, il est dans tous les Space Channels. Et oui, donc du coup, le 50Hz faisait qu'on le voyait, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué de savoir pourquoi c'était là. Donc voilà. On voyait cette ligne, effectivement, ouais. Mais seulement 50Hz. En 60, c'est très dur de le voir. Et j'en veux pour preuve cet écran cathodique. On est sur la version américaine du jeu, sur Mister FPGA. Bon, c'est pas sur une vraie Mega Drive. Mais tu vois, sur l'écran cathodique, ici, on voit pas les points. Est-ce que j'irai jusqu'au bout de la démonstration? Je vais pas pouvoir, parce qu'il faut que je débranche la manette. Mais si on avait la version PAL, on aurait, du coup, en bas, on aurait cette fameuse ligne de points. Là, on l'a pas. C'est exactement comme la console, en fait, d'origine de Mister FPGA. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse et que ça me fascine, ce genre de technologie. Super intéressant. Bah, super cool, écoute. Je suis très heureux d'avoir appris quelque chose à quelqu'un ce soir. Et j'espère que ça continuera, parce que mon but sur Internet, c'est d'apprendre des choses aux gens. Et ce genre de choses que très peu de gens connaissent. En général, personne en parle dans les lives rétro, parce que c'est pas super intéressant non plus. Mais c'est intéressant pour la bizarrerie de la chose, c'est vrai. Je trouve ça assez rigolo. Mais c'est rigolo d'avoir quelqu'un que ça... Un bug de la Mega Drive. C'est une sorte de... Alors, on peut dire que c'est un bug de la Mega Drive. Hein. C'est pas faux, hein, mais... Mais c'est pour les développeurs, ça les aidait surtout à savoir quelle couleur était utilisée et quand est-ce qu'il fallait. Alors, encore une fois, les développeurs l'utilisaient de plein de manières différentes, cette bande. Mais pendant le développement, ça leur permettait de savoir quand est-ce qu'il fallait swapper la palette utilisée. Parce qu'il y avait une méthode à la fin de la Mega Drive qui permettait d'utiliser deux fois plus de couleurs que la normale. C'est-à-dire qu'au lieu des 64 couleurs limitées, on pouvait en utiliser 128. Et pour faire ça, quand la palette était pleine, ils la swappaient. Et quand la deuxième palette était pleine, il la reswappait. Et ça faisait plus de couleurs du coup, que la console pouvait afficher. En gros, c'est à peu près ça. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Et c'est fascinant de savoir comment ils le font, parce que dans Eternal Champions, qui est un des premiers jeux à utiliser ça, c'était la méthode utilisée, c'était ça. Quoi. Tous les Space Channels sauf l'épisode VR, malheureusement. Ah oui, ça va être compliqué les droits pour l'avoir dans le jeu maintenant. Tu m'étonnes. Je sais pas ce que ça donne la Jackson Company, j'ai l'impression que c'est un nébuleux au possible ce truc. Ouais. Mais du coup, tu fais une vraie collection d'IA, toi, tu les as tous là. Est-ce que tu les as tous? Ah, les loupards, ils sont ouf. J'aime trop en fait la reconstitution de cette ambiance loupard un peu années 80. Plutôt 80 que 90, je trouve. Elle vient par là, on va prendre un coup de latte. Et bim! Les petites filles sur les toits. Et il m'en manque encore deux. J'ai les deux Jap, les deux Dreamcast. Les deux Jap, les deux Dreamcast, d'accord. Le VR et le GBA. Idéalement, il me faudra aussi les deux US. Et pas les deux pales? Ça te branche pas d'avoir les pales? Après, ils apportent rien, j'imagine. Médor couché. Pas le US, oui, pour les musiques US. Ah, c'est pas les mêmes musiques! C'est ça le truc. C'est pour ça que je me posais la question. Mais en fait, du coup, pour en revenir à ça, Alpha Mal, c'est clairement un truc que j'essaye de. Enfin, à mon petit niveau, j'essaye un petit peu de faire le justicier du rétro. Et de tordre le cou à plein de rumeurs bidons. Du coup, ces fameux points là en bas de l'écran, il y a plein de grands streamers rétro qui en parlent pas ou qui disent que c'est un bug. Et c'est pas vraiment un bug. Mais c'est très très cool. T'as quel âge du coup? Enfin, est-ce que tu veux parler de toi? Parce que c'est rigolo, les nouveaux viewers qui arrivent et qui... De parler un peu d'eux, de savoir quel âge ils ont, s'ils s'intéressent au rétro depuis longtemps, un truc comme ça. Bon, là, j'imagine que je dois ouvrir des trucs que je sais pas qu'on peut les ouvrir. Ça va être les plaques d'égout, des trucs comme ça. Je suis âgé, d'accord. Des fois, on a des surprises. D'accord, le jeu vidéo.
On peut donc tournoyer sur soi-même sur les plaques d'égout pour les ouvrir. Ok. Vous voulez la jouer comme ça, alors. Je viens de l'Amiga 500, intéressant. Les plaques d'égout, oui. Bah merci, merci Michael Knight. Malgré tout, c'est quand même utile. Who's bad? Les voix digit sur Mega Drive, elles sont très très bonnes. Très très bonnes, encore. Par contre, là, je peux pas remonter. Ça. 101, c'est les années. Je suis pas sûr. Je suis pas persuadé. À moins qu'ils démentent. Mais... Amiga 500? J'ai pas connu l'Amiga. Si je prends un Amiga, ça serait un 1200, mais on m'a dit que c'était pas forcément une très bonne idée, ou je sais pas quoi. Y a un truc contre-intuitif là-dessus. Moi j'ai toujours pensé que prendre l'Amiga avec le plus gros numéro c'était la meilleure idée, mais apparemment c'est pas le cas. Genre l'Amiga CD32 pour moi c'était le meilleur, mais l'Amiga CDTV c'est mieux. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ce Kleps là? Il danse. Ah, c'est lui qu'il faut que je pense que c'est le blanc qu'il faut que je bute, c'est ça. Hein. CDTV c'est mieux que tout. Ouais c'est ça, donc c'est pas l'Amiga CD32. Pourtant CD32 ça sonne comme le meilleur, tu vois. Les jeux n'exploitaient pas le potentiel du 1200. Ah c'est dommage. C'était que pour les utilitaires. Ah on va jouer la voiture. Non. Je crois que là il y a un laser bleu pour se changer. Amiga CD32, il y a l'Amiga 500 avec lecteur de CD. D'accord. Qu'est-ce que c'était bien, putain. C'était vraiment la belle époque. Hein. C'est terrible de dire ça. Hein. Je me sens vieux con de dire ça. Hein. Je l'aurais jamais dit il y a encore quelques années, mais... Mmh. Époque Michael Jackson, bordel. Faites partir qui vous voulez. Et ramenez-nous Michael Jackson. N'importe quelle célébrité, faites-la partir et faites-nous revenir Michael Jackson. Là, y a presque trop de monde. Amiga 1200, c'est un émulateur hardware de l'Amiga 500. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est ça qui a fait trembler mon sol, c'est la... D'accord. Mon sol vient de trembler et j'ai pas compris pourquoi tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y a ma fenêtre qui a claqué. Très très fort. Pas très grave. La 320 va plus vite, oui oui. La meilleure version reste l'Amiga 1200 aujourd'hui. Oui, mais alors du coup... L'Amiga 1200, est-ce que c'est utile de le posséder, sachant qu'il y a, il y a le CDTV? Parce qu'il y a quand même des jeux sur CD. Genre, moi, j'ai pas beaucoup de jeux Amiga, hein, que je connais, ou que je joue. Mais si je joue à l'Amiga, un jour, et si j'y rejoue en stream, ce sera en émulation, parce que je pense pas avoir les moyens ni l'envie d'acheter un Amiga, malheureusement. Mais je jouerai à Labyrinth of Time, alors ça... Je sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, Labyrinth of Time. Mais c'était la killer app CD32, puisque bah, y avait quasiment pas de jeux sur CD32. Il y avait Digger, Oscar, les jeux fournis avec. C'est une console que j'ai eue, l'Amiga CD32. Pour info, parce que je suis assez particulier en console. Je reviens, je vais fermer la fenêtre. Et Goblin ni osowarete ita Shinro Chocobo ni notta Shinku ga Kiaru o kage tasuketa no ga kikkake de gozaimashita. To moushimasu no mo, o futari wa online game ファイナルファンタジーの中で出会われたあごめんなさい誠にファンタジープレイステーションブロードバンドをつながりましたじゃあパソコンにこっちだ早く こっちだ ES2 オンラインゲーム直通モデル出たプレイステーションEt re. Tu la vends. c'est devenu le bon coin pendant mon départ, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que vous avez dit pendant que j'étais pas là? La 380 est plus gros. La Kazar, c'est un troll, quoi. La Vega C32 est presque introuvable en occasion. Il est très cher, ouais. Morph le CDTV. Mais si tu veux tester les jeux CD, forcément, j'ai un CD32 acheté il y a un bail maintenant. Il marche ton CD32, Babouf? Non, jamais, tout le monde me demande à chaque fois. Tu m'étonnes. Ah non, mais un Amiga CD32, c'est cool, mais ça se trouve en vrai. Hein. Faut juste avoir les moyens, quoi. Après, l'émulation Amiga, elle est incroyable. Je suis pas du genre à dire ça souvent, mais...
Il est gentil, lui ? Non, il est méchant. Putain. Faut savoir qu'il est méchant. Ouais. Attends, mais on peut les ouvrir, toutes les tombes ? Non, on peut pas. Il fonctionne ? D'accord. Bah moi, c'est Labyrinth of Time. Est-ce que vous connaissez Labyrinth of Time sur Amiga ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Labyrinth of Time ? Je l'ai fait en stream une fois. Ça a laissé des cauchemars terribles aux gens. Si je me souviens bien, ça a vraiment laissé des cauchemars. C'est un myst, ouais. Puzzle game myst. Ouais. Avec beaucoup d'utilisation et de puzzle. Beaucoup d'utilisation d'objets et de puzzle. Ouais. Ah, mais dans les buissons. Ok, d'accord. Inalala, we did for you, that can't you see? Just another part of me. C'était cool cette musique. C'est vrai que Another Part of Me, elle est cool. Michael. On peut marcher là-dedans ? J'ai pas compris la limite du coup. Labyrinth of Time, tu connais aussi ? Ah, mais c'est incroyable. On sait pas qu'il y avait autant de gens qui connaissent ça. Il me manque plus que deux petites filles. Ah, et cette tombe-là, elle marche ? Ok. Cette tombe-là, c'est ok. Les autres, non. Okay. Il n'y a pas trop de logique. Waouh, vous avez vu la pose qu'il fait là ? Avec le chapeau vers le bas, c'est stylé. C'est vraiment cool. J'ai un Amiga CDTV et ce jeu. D'accord, putain, c'est incroyable. Je l'ai fait en stream. Quand je l'ai fait en stream, il y a des gens qui ont fait des cauchemars avec le clown qui rigole. Il y a tellement de trucs vraiment barrés dans ce jeu. C'est vraiment des souvenirs traumatisants que j'ai de ce jeu. Ah d'accord, c'est là qu'on fait le... Okay. Allez, on les combat tous. Ah oui, et puis relancer du mauvais côté. Hein. Évidemment, si vous voulez des conseils pour rater vos coups, Arunotaku, perdant à tous les coups. Ayant eu un Amiga 500 pendant longtemps, j'ai cru que le CD32 serait la console. Ah mais tu l'as acheté à l'époque, toi. Mais moi aussi, j'ai acheté l'Amiga CD32. Enfin, on a acheté l'Amiga CD32 à l'époque parce qu'on avait acheté le CDI aussi. Et qu'on s'est dit, on veut l'avenir du CD-ROM dans le salon. Et ça a été un processus très long, parce qu'au final, on l'a jamais trouvé. Hein. Mes parents, ils voulaient vraiment avoir le meilleur du CD-ROM dans le salon. Ça a été très compliqué. Ça va pas trop déçu. Oui, bon, ça va. Il y avait quand même Digger et Oscar. C'est bon, il n'y avait pas rien. T'sais. Il y avait Zool. Et Zool 2. Mais il y a Ophilippos qui est peut-être encore là. T'es encore là, Ophilippos, ou t'es les dodo? Parce que eux, lui, il pourrait vous parler du CD32. Il en a un, il a beaucoup, beaucoup de jeux. Il avait fait une soirée CD32 chez moi. Si vous allez sur Arunotaku VOD, vous pouvez la retrouver. Tu t'en souviens de cette superbe soirée? C'était cool. C'est vraiment bien. Comme la soirée PC Engine la dernière. Celui qui a apparu sur la FM Town Marty. Ah oui, ça devait être un problème. Ça devait être très cher comme erreur. Et oui, c'est pas un décor, c'est pas un fond vert. J'ai un vrai grand appartement derrière moi. Et je sais toujours pas quoi faire de ce grand appartement. Il y en a bien qui ont misé sur le CDI. Mais le CDI, ça a marché, Madéville. Que vous le vouliez ou non. Ça a marché. Dans les auto-écoles et dans les CDI d'école, mais n'empêche, le CDI, ça a marché. Il y a eu un succès. Même si, bon, il voulait beaucoup plus de succès que ça, mais... Bonne nuit dans ce petit Lugadinov. Bah moi, j'en avais pas encore assez, puisqu'après, il y a l'arcade qu'il va falloir découvrir. Je pense que l'arcade, je le démarrerai à 23h ou un petit peu avant. Et on verra ce qu'ils avaient fait en arcade avec Moonwalker. Déjà, là, la version... C'est ça qu'il fallait choper, normalement. Je l'ai pas chopé, là. Malheureusement. Ça vous a pas échappé, je l'ai pas eu. Tu n'es qu'une autre partie de moi. Ouh ouh. Hi hi. Hi hi.
Il n'y a pas de bombe dans les buissons. C'est marrant ça. Ils ont pas mis de bombe dans les tombes et dans les buissons. Si mon CD avait une pile mémoire, j'y jouerais beaucoup plus souvent. Oui. C'est ça le problème. Une très bonne nuit du coup, Pisuke. Et merci d'être passé encore une fois. À la prochaine. Digging brighter days. Dig on the line. Be it for you. So can't you see? Just think of the pattern. Et oui, sosie officielle de Michael Jackson. Ça va finir par se voir. Que non. par contre, souvent que je suis super crevé. Ça rame là, dis donc. Il y a 4 sprites à l'écran, ça rame, ça y est. C'est un zombie là-haut. Ah oui, d'accord. Tatatatoua. Nous avons passé la nuit à faire l'amour. Et j'ai déjà presque plus de vie. Pour inaugurer l'arcade, faudra checker sur Bailly s'il y a un panel HSS0130 dispo. Ah, c'est le HSS0130, le... tellement adoré ce jeu. Ouais. J'aime bien les gens sur Twitter pendant que je stream, qui like l'annonce du stream et qui commentent sur le tweet. Je comprends pas ça. Venez sur le Twitch en fait. Venez me voir, venez me le dire. C'est plus logique, non? Sauf s'ils sont sur téléphone et qu'ils font autre chose. Ah, peut-être que les gens sont occupés. J'ai tellement hâte d'être mardi à recevoir mon Monkey Island Mega CD. Hein. Bon panel Astro City 2 player. Ah, tu veux voir ça? Je croyais que c'était un truc en rapport avec Moonwalker, moi. On peut regarder ça, si tu veux. On peut faire une pause bail. On va faire une pause bail. Allez, c'est quoi? On va regarder ce que tu fais. What are you buying? La petite pause bail, incroyable, avec le petit lien affilié. Est-ce que tu crois que si on tape HS... Ah, déjà, on va mettre de la musique, parce que ça m'insupporte. Les streams où il n'y a pas de musique, c'est ceux qui me rendent fou. HSS 130 0 130. Si je tape ça, ça marche, tu vois. Ah ouais, 469 euros. Putain, je l'ai connu moins cher, hein, ce truc, moi. Il y en a des petits sur Saturn. It's not available for proxy purchase. Donc là, en fait, alors je vous explique. Sur Bailly, il y a au moins 3 raisons pour lesquelles le truc ne peut pas être vendu. Il y a le vendeur a refusé la vente au proxy. Ça peut arriver. Et là, c'est sûrement ça. Ou c'est peut-être encore autre chose. Ça peut être que le truc est trop cher. Là, c'est pas ça. Et ça peut être le vendeur n'a pas assez de bonne évaluation. Et là, c'est sûrement ça. S'il en a qu'une. Il y a une seule éval, en fait, en tout. Et c'est pas suffisant pour Bailly d'être garanti, quoi. Donc on peut voir les photos quand même pour se consoler. C'est beau. C'est un très bel objet. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque de la Saturn, Sega vendait ça aux gens, chez eux, quoi. C'est-à-dire que vous pouviez avoir le vrai panel arcade. Bah 400 balles, ça fait pas si cher. Sachant que la borne, elle vaut beaucoup plus que ça. Ça va, hein. Le mec dit « in bad condition overall ». Bordel, c'est bad condition japonaise, hein. Ah oui, par contre, là, ouais, je sais pas, non, j'aime pas ce que c'est. Et y a la boîte, quoi. Voilà, donc au Japon, vous pouviez acheter ça en boîte, quoi. J'ai le 1 player, ça suffit bien sur les genoux. Le 1 player est déjà gros, hein. Mais il est beaucoup moins cher, le 1 player. Il me semble qu'il vaut dans les 200 max. Pour info, il y a en plus des adaptateurs pour y jouer avec la Dream. Ah, mais il y a des panels avec aussi. J'avais pas vu ça. Vous vous rendez compte qu'ils ont refait des panels... Enfin, des panels. Comment ça s'appelle, ça? C'est pas des panels, des inserts qu'on peut mettre dans les panels
Et du coup, il y a Sega Saturn écrit ici, au lieu de STV ou Model 2 ou Virtua Fighter 2, il était sur quoi? Il était sur Model 2 uniquement? Il n'y avait pas une converte quelque chose? Parce que Virtua Fighter Kids, il était sur STV. Oui. Et Fighting Vipers, il était que sur Model 2, je crois, et Virtua Fighter 2 aussi. Après, en stick Saturn, il y a mieux. Avec le Ori Fighting Stick. Ouais, pour le solo, non? Faut des bons cuissots, ouais. 999999 yen. C'est un bel objet, ouais. Après. Est-ce qu'on peut avoir... Ah ouais, mais alors attendez. 637€ avec une Saturn Skeleton, mais c'est une DC School, mais c'est une Skeleton quand même. Avec quelques jeux qui exploitent bien la RAM et qui ont des très bons fighters, notamment Vampire Hunter, que moi je connais et qui est très très cool. X-Men, que j'ai... Ça doit être le jeu Saturn que j'ai vu le plus tourner avant d'avoir la console. Parce que je connaissais, alors c'est story time. Je connaissais un Diffintel Micro qui avait la Saturn en japonais. Ils avaient Sega Rally Daytona, ils avaient plein de jeux en 3D incroyables. Sauf qu'il y avait toujours les piliers du magasin qui traînaient dans le magasin quand j'y étais. À chaque fois que j'y allais, ils étaient là. Et ils jouaient à X-Men. Ils faisaient que du versus fighting sur X-Men tout le temps. La cartouche mémoire 1 méga, la plus chère. Ah oui, il y a la marque du soleil. Ça ne fait plus clope, plus rouille, plus tout. Tout en fait, il y a tout. Ils ont tout mis. Mais le Street Fighter Collection, là, il est carrément gris tellement il est sunfade sur le côté. C'est terrible. Mais je suis désolé, hein, ça reste un lot intéressant. Hein. Après, il faut avoir envie d'acheter ça. Mais pour le prix, c'est pas déconnant, je trouve. 637€ pour le stick qui en vaut 400. Il n'y a pas la boîte, par contre. Il y a la boîte pour rien, donc je sais pas. En fait, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment de la rouille? J'ai l'impression qu'ils rouillent tous de la même manière en dessous. Ils ont tous un peu la même rouille pourrie en tâche chelou, quoi. La DC School, elle a tout. Elle a tous les caches et tout, mais il n'y a pas la boîte. C'est déjà ça. Il y a déjà pas mal de trucs, quand même. Et elle n'est pas oxydée au niveau du port cartouche. Par contre, c'est vrai que la carte, elle est dégueulasse. C'est pas une cartouche 1 méga, ça. C'est une carte mémoire, hein, d'ailleurs. Les sticks rouillent du dessous sur la plaque, c'est la transpiration des cuisses. Ah. La console DC School est aussi un peu recherchée. Oui, mais c'est la moins recherchée des transparentes. Là, sans être là. Hello, les Argonautes et les Argonettes. Salut, Osaima. Merci pour ton lurk, du coup. Donc, il montre qu'elle fonctionne. Avec une cale en carton. Fais pas ça, en fait. Attends. Excusez-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, pourquoi, en fait? Pourquoi la cale en carton? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a une cale en carton sur son 4 méga, là? C'est pour que la masse marche bien. Exact. C'est parce que le port cartouche marche pas bien et est très fragile sur Saturn. Bah en fait, il y a une astuce quand le port cartouche de la Saturn ne marche pas, c'est que tu dévisses un tout petit peu les vis sur les côtés. Et ça marche mieux. En fait, si les cartouches marchent pas bien, c'est parce que les ports sont trop écartés. Et en desserrant les vis, il me semble, c'est en les desserrant, que ça rapproche le métal. Ou peut-être en les serrant, je sais plus. Enfin, c'est les deux vis qui sont sur les côtés que t'as juste à ajuster et ça marche plutôt bien. Mais là, le bout de carton, c'est dégueulasse. Mais le port cartouche, c'est vrai qu'il est il, très très vite, il marche plus, quoi. C'est vraiment relou. Est-ce qu'on ferait pas une petite recherche Saturn et après on retourne sur Michael? Ou alors on passe directement à l'arcade après. Vous savez quoi? On va se faire 10 petites minutes de bailli et après on passe à la version arcade de Moonwalker. Alors, où j'appuie sur titre. Je vais juste vous mettre des petits trucs Saturn et on va voir ce qu'il y a en accessoire Saturn. Ça va être rigolo. Bonne nuit, Philippos, merci beaucoup d'être passé. Et n'hésite pas si tu veux refaire un live Amiga CD32 ou autre chose. Pas sûr que le vendeur a l'info, du coup. Non, je pense que non. Qu'est-ce qu'elle est belle comme ça? C'est la V-Saturn ou c'est la Saturn d'origine, ça? Parce qu'elle a l'air bien grise. La V-Saturn, elle est très belle, je trouve.
après c'est une Saturne d'origine, mais elle est vraiment pas jaunie quoi. Ah si, elle est jaunie, mais c'est chelou. Elle est bien grise pour une console jaunie en fait, c'est bizarre. Elle a les deux quoi. On dirait qu'elle est marbrée. Ah non, elle est sale. C'est juste de la saleté ça. C'est juste des taches dégueulasses quoi. Elle est vraiment sale quoi. Ah ouais, en fait elle est dégueulasse. C'est marrant parce qu'à première vue on voit pas trop qu'elle est sale, mais en fait elle est dégueulasse. Mais j'aime bien la couleur de la Saturne, elle a vraiment une couleur particulière cette console. Souvent elle vieillit mal d'ailleurs, cette couleur. On dirait qu'il l'a nettoyée beaucoup trop. On dirait qu'il l'a, il l'a poncé sa console tellement elle est. Aucune Saturne blanche n'a la même teinte aujourd'hui, c'est génial. C'est incroyable, hein. C'est à croire que dans l'usine ils avaient des cartes, ils avaient des silos de plasturgie et en fait genre ils ont renversé un plastique de mauvaise qualité et ça a marbré toutes les consoles, tu vois. Genre quand ils ont fait les moules, ils ont utilisé aucun plastique pareil, quoi. C'est insupportable. Et moi j'ai le haut et le bas de ma Saturne blanche qui sont pas le même, du même jaune. C'est très 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 relou en vrai. Elle est blanche, elles sont. Il n'y en a plus, il n'y a aucune déjà Saturne blanche. Est-ce que le stick d'origine de la Saturne il est bien? Aucune Saturne blanche à la même teinte. Est-ce que ce stick là il est bien? Parce que moi je me souviens quand j'étais. Quand la Saturne est sortie en France, j'ai touché au stick et c'était tout. C'était poop, c'était pas clic, c'était poop. C'était nul à chier. Le problème de taille de boutons, alors les boutons je les ai pas essayés, du coup je saurais pas quoi dire. Il y a un moustique qui s'était littéralement posé sur mon bureau sous ma main. Il voulait mourir en fait. Désolé, j'ai un peu un moustique. Stick à lamelle. La version Jap de ce modèle est acceptable. Le modèle PAL est différent. Ah, intéressant. Donc c'est le modèle PAL qui est pourri alors. Parce que le modèle PAL c'était vraiment un truc, un stick en plastique. Et quand on le bougeait, il n'y avait pas de retour. Ça faisait pas clic. Ça faisait vraiment. T'avais l'impression qu'il n'y avait pas les cliquetis dedans. Très désagréable. Ouais, par contre tu vas pas me lancer ça. Tu vas pas me lancer ça. Si. Qu'est-ce que c'est beau. Un badge de Sega Saturn. C'est un badge de l'époque ça. Salut. Il y a des micro switch sur la version PAL. Il n'y a pas de micro switch. Il n'y a de micro switch sur la version PAL. Il n'y a pas, tu veux dire. Ah, le gun. Le gun japonais, il est tellement beau. Je me demande si on peut vraiment avoir une Saturne d'origine grise, vraiment grise aussi. Il faudrait une neuve, quoi. Je sais pas s'il y a des dead stock ou quoi. Ah oui, pas là. Ah, c'est trop mignon, la montre Sega Saturn. 4,37€, c'est que dalle. C'est une montre, au moins. C'est même pas une montre, en fait. C'est juste un bout de plastique avec un CD dedans. Ah si, là, d'accord, il y a un CD, et dans le CD, il y a là. Elle est rigolote. J'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de truc qu'il vaut pas le coup d'acheter sur Bailly, clairement. Si vous allez au Japon, achetez-le. Et salut, Pépi. Comment ça va? Pépi 34. Est-ce que c'est... Non. Faut que j'arrête d'essayer de deviner qui me faut. Je sais que le monde est petit, mais quand même. Bienvenue à toi en tout cas. Et merci pour ton follow. Qu'est-ce qu'elle a cette Saturne? 16€. C'est une boîte de mouchoirs. Quand même, me rappelle les montres robots de l'époque. Ouais, je vois exactement de quoi tu parles en plus, c'est trop bien. Les montres à capuchon, là, il y en avait déjà quand on était petit, nous. Moi, quand j'étais petit, il y en avait. Je m'en souviens qu'il y en avait. Les montres à ouvrir, là. J'aimais pas les flic-flac, j'aimais mieux celle-là. Oh, elle est trop bien cette manette. Je l'ai déjà vue deux fois cette manette dans des magasins. Jamais acheté. Sunsoft Sun Saturn Pad. Je vais aller voir les vidéos sur la SCV. D'accord. Bah elles sont pas lues sur Twitch, mais elles sont sur ma chaîne VOD YouTube. Si tu veux. Je t'envoie le lien si tu veux. Tape Haruno Taku. VOD sur YouTube. Et hop. Bien. Super, merci, mais de rien.
plaisir, écoute. La SCV, j'en ai parlé en long, en large et en travers sur YouTube, sur deux vidéos de présentation, ou une vidéo de présentation et un live que j'avais gardé sur YouTube. Et j'ai fait un live très récemment avec quelques jeux, notamment Lupin, Dragon Ball, les gros quoi, les gros jeux, et le jeu de cirque que j'aime beaucoup, et le jeu de à la Wipeout aussi. Et ouais, je suis fan de SCV, du coup c'est cool d'avoir un autre fan de SCV dans le coin. Bienvenue à toi. Donc cette manette, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Perso, j'ai un faible pour la manette Saturn Bomberman, il y en a pas là. Comment tu tapes... Alors comment t'écris Bomberman en japonais, comme ça. Donc là on a Saturn qui est déjà écrit, là on a Sega Saturn qui est écrit. Je le connais bien hein, Sega Saturn, puisque je fais, vous savez, je suis fan de Sega principalement. Et là si on tape Sega Saturn et Bomberman, on a le multitap Bomberman qui est super super stylé. Très très cool le Bomberman. Alors si vous connaissez la Suemo 5, si Kazor est toujours là. Kazor fait partie de la Suemo 5, moi aussi, on fait partie de la Suemo 5. Et à chaque fois qu'on va dans des... Enfin, que la Suemo 5 se déplace dans des expos, ils amènent le multitap Bomberman avec la Saturn et ils jouent à 10 à Bomberman avec deux multitaps. Multitap 6, c'est ça ? 2, 4, 6. Du coup, c'est super stylé. Et Bubble Bobbles aussi, c'est vrai. Bubble Bobbles aussi. Et la manette Bomberman, elle est là. Donc 80 balles, t'as une Saturn blanche, qui est plutôt blanche d'ailleurs. Sur la photo, elle fait vachement blanche. Ouais. Et la manette Bomberman. Elle est trop mignonne. Avec le Bomberman dessus, là. Elle est super cool. Voir le bazar quand on l'installe. Ah, ça doit être le bordel. Je m'étonne pas. 10 manettes avec leur fil respectif. Et ouais, c'est ça. En fait, quand on le voit installé, on se dit, oui, oh, ça va. Mais par contre, quand il faut tout installer de A à Z... Quel enfer. Et Sam Nissan, s'il est toujours là, il a des exemplaires neufs du multitap et des exemplaires neufs du jeu Saturn Collector avec la manette, il me semble. Excellent, ouais.